Bienvenue, madame, messieurs. Nous sommes sur Equinox Télévision. Nous sommes en 2017. Le Cameroun, au-delà de sa propre histoire aujourd'hui, qui peut être interprétée de plusieurs manières, à travers des heures difficiles de l'actualité de l'heure. Vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui se déroule dans le cadre de la crise dite anglophone aujourd'hui. Nous sommes la veille d'une année électorale très importante au Cameroun, l'année 2018, où sont prévus un ensemble de scrutins. Jusqu'ici, on a assisté à des déclarations de candidature les unes comme les autres, jusqu'à ce qu'intervienne il y a quelques jours la sortie de l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, bien connu sur la scène internationale, jusque-là membre de la société civile. Sa déclaration de candidature sous la forme également de la mise sur pied ou alors plutôt du lancement d'un nouveau mouvement vers la création d'une nouvelle république, intervient donc aujourd'hui pour apporter une solution. Il dit vouloir être la solution vu les périodes difficiles que connaissent ses compatriotes. Merci de rester avec nous. Nous avons la chance et l'exclusivité de recevoir dans ce programme Maître Akeremouna. Bienvenue, bonjour. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Voilà, on va peut-être commencer, puisqu'il y a une idée reçue selon laquelle très peu de Camerounais aujourd'hui vous connaissent mieux. Est-ce que vous partagez cette opinion? Vous n'êtes pas encore très bien connu de vos compatriotes? Mais je pense que je suis plus ou moins connu, vous avez dit société civile, c'est-à-dire que je mène une vie qui m'a amené à côtoyer, n'est-ce pas, le citoyen camerounais depuis mon inscription au barreau, depuis mes activités comme bâtonnier. Et en fin de compte, à travers mes activités dans Transparency International, je pense que je suis plus ou moins connu. Évidemment, il est vrai qu'il y a peut-être de plus jeunes qui ne me connaîtraient pas vraiment, et aussi certaines personnes qui feignent clairement de ne pas me connaître. Peut-être sur le plan de la politique dite politicienne, vous vous êtes gardé jusque-là, finalement, de vous y engager. Alors, la question, elle est toute simple aujourd'hui. Pourquoi maintenant, vous avez des éléments qui vous ont amené à vous jeter à l'eau dans la bataille? On a parlé d'un certain opportunisme. Comment vous réagissez à cette perception qu'ont une bonne majorité de Camerounais aujourd'hui dans le cadre de votre déclaration? Ben écoute, une bonne majorité ne sait pas, mais ce que je dois vous dire d'ores et déjà, c'est quoi? C'est le fait que dire que je commence maintenant, c'est pas exactement vrai. Pendant la création du SDF, j'étais une des personnes qui ont rédigé les statuts. Pendant les campagnes de 92, j'étais dans le bureau, le directeur de campagne, et j'étais chargé de collater les résultats. Et dans les procès électoraux qui ont eu, bah, j'étais très actif. Comme membre de Transparency International, que j'ai fondé moi-même, j'ai eu à observer et aussi à faire un rapport sur les élections. Donc, je n'ai pas été très loin de la chose politique. Donc, dire que je viens maintenant, c'est mal me connaître. Et comme vous avez dit, sur le plan international, j'ai eu à observer des élections dans plusieurs pays. Et aussi, j'ai fait partie du mécanisme africain d'évaluation entre les peuples, qui ne fait que l'évaluation des pays, sur le plan d'entreprise, économique, sociale et politique. Je ne fais que ça. Donc vraiment, je pense que c'est de quoi je parle. Pourquoi maintenant? Maintenant, parce que notre pays est à la croisée des chemins. Et c'est le devoir de tout citoyen de voir comment il peut faire pour aider la situation. Et en ce qui me concerne, je pense vraiment que je rassemble une expérience qui me permette de me positionner comme faisant partie de la solution, avec beaucoup d'autres Camerounais. Donc c'est là le point de départ. Opportunisme, on peut le dire, mais je dis toujours que l'opportunisme a deux éléments. Premier élément, c'est l'occasion dans l'opportunité. Second élément, c'est les principes. Alors, dans le sens péjoratif, celui qui viole ses propres principes pour saisir une opportunité, on pourrait traiter d'opportuniste. Mais en ce qui me concerne, c'est vraiment cette valeur-là, ces principes sur l'éthique, la morale, la lutte contre la corruption et la gouvernance. C'est ce que j'ai fait pendant plus de 20 ans. C'est justement ces principes-là
qui renforce ma détermination. Donc, opportunisme, je ne sais pas. Voilà. On va revenir sur les fondements qui guident votre motivation, mais un petit retour dans l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore méconnues des Camerounais. Sur le rôle joué par les pères fondateurs du Cameroun, parmi ceux-ci, monsieur votre père, de solide réputation, durant les années 60-61, quel aura été le rôle que ce dernier, Salomon Tandemouna, aura joué pour que on en soit aujourd'hui à penser que maître Akeremouna, 60 ans plus tard, serait en train de vouloir trahir son père, la mémoire de son père? Mon père était dans le parti qui luttait pour la réunification. Donc le parti du docteur John Goufoncha. Il a joué son rôle à cette époque-là, dans les années 60 et 61. Et je pense que, avant son départ de ce monde, il a positionné, il s'est positionné, il a dit ce qui était leurs attentes. Il a clairement dit, d'ailleurs avec le docteur Foncha, qu'il y a eu des déceptions. Donc, dit qu'il a, je trahis sa mémoire, c'est mal connaître son histoire. Cela étant dit, c'est très facile aujourd'hui de juger les actes posés à l'époque avec le parcours que le Cameroun a connu depuis. C'est très facile de tenter de refaire l'histoire en donnant des situations différentes, hein. C'est comme jouer un match le lundi quand le score est sorti dimanche. Et on connaît ce qu'il ne fallait pas faire, qui devait être joueur, qui ne devait pas être joueur. Ça, c'est cela. Donc je pense que c'est cette facilité-là que les Camerounais ont aujourd'hui. Mais je pense que aujourd'hui où nous sommes là, ceux qui veulent trouver la solution dans l'histoire et dire qui a fait quoi, dit qui n'a pas fait quoi, je les laisse gérer cela. Ce qui me concerne maintenant, c'est l'avenir. Quelles solutions nous pouvons apporter ensemble pour améliorer l'avenir de notre pays et les Camerounais. C'est justifié de connaître son histoire, mais ce n'est pas justifié d'en faire un pèlerinage constant. Mais tout de même, pour sortir définitivement de ces questions d'ordre historique, maître Akeremouna, est-ce qu'on peut dire en 2017 que essentiellement, ou alors majoritairement, les Camerounais étaient pour l'unification, pour le renforcement de l'unité nationale aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à l'époque, je peux vous dire sans embâge que les Camerounais appelaient de tout cœur, n'est-ce pas, la réunification. La seule preuve, en pays démocratique, c'est les élections. Il y a un plébiscite et les Camerounais anglophones ont opté pour la réunification. Donc, c'est la seule façon de juger la volonté des Camerounais. Bon. Est-ce qu'il y a eu la bonne voie par la suite? Je ne pense pas, par certains qui avaient d'autres idées derrière la tête. Mais je dois dire que, à la date d'aujourd'hui, la gestion de cette diversité, les transformations que notre conscience a connues, m'amène à dire que il y avait presque une, on peut dessiner presque une volonté par certains, de subjuguer d'autres. Et je pense que tous les Camerounais, aujourd'hui, se rendent compte qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ne devaient pas être faites. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'il fallait demander pardon. Je n'en suis pas là, mais je dis que on a une grande chance. Et cette chance-là, c'est l'avenir. Et c'est notre seule chance de réparer ce qui s'est passé. C'est l'avenir. En regardant derrière, on n'y peut rien. Très bien. Alors, revenons donc sur le cas de la crise dite anglophone. Vous avez récemment déclaré que si nous en sommes aujourd'hui à cette forme de radicalisation, c'est bien parce que les gouvernants au pouvoir n'ont pas su gérer le problème lorsqu'il a été déclenché et qu'aujourd'hui, finalement, on peut comprendre qu'il y ait ces velléités, ces montées liées au séparatisme, finalement. Vous êtes plus clément que moi quand vous dites qu'ils n'ont pas su. Ils ne savent pas la gérer. Puisque la crise continue. Donc, est-ce qu'ils ne savent pas ou ils ne pensent pas que c'est un problème? Parce qu'au début de cette dernière vague, parce que j'ai dit, ceux qui me lisent savent que ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dénoncé par un document en 95, en ce qui concerne l'OADA, je l'ai écrit par un document qui date de plus de 18 ans. Bon, c'est pour ceux qui découvrent
cette situation de marginalisation des anglophones, puisque je mets d'accord, savent que quand ça a démarré, beaucoup de gens ont dit qu'il n'y avait pas ce problème, que c'était inexistant. Mais au fil des mois, on reconnaît certains pans, on en est arrivé où il y avait une cérémonie où on remettait, n'est-ce pas, les textes au WADA dans une cérémonie traduite. Et moi, quand j'ai vu ça, je l'ai déjà dit, j'étais vraiment quand même choqué qu'on fasse cas et qu'on fasse une publicité autour du fait que on traduit un texte en anglais dans un pays où on dit que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Ça veut dire que une bonne partie des Camerounais étaient gérés dans un cadre juridique sans avoir accès au texte. Alors justement, lorsque la crise éclate, on se rappelle, vous faites bien de nous le rappeler à votre tour, que c'est bel et bien partie du corps des avocats auxquels vous appartenez. Donc on peut très logiquement les présenter aujourd'hui, ces avocats-là, anglophones peut-être essentiellement, comme ayant été les allumeurs, les pyromanes aujourd'hui. Quel est le rôle qu'ils peuvent apporter, les avocats camerounais, plus globalement aujourd'hui, pour nous aider à sortir de là? Pyromane, je ne sais pas. Je ne pense pas que les avocats le sont. Si vous repartez un peu derrière dans l'histoire du Cameroun, le multipartisme advient et qui a commencé dans le Cameroun anglophone, le Nord-Ouest, pour être précis, était à l'époque de Bathily Yondo Black. Donc, les avocats sont la voix des sans-voix et sont des gens qui sont des déclencheurs d'alerte dans la société, par leur profession, et les journalistes d'ailleurs, je dois dire, ils fonctionnent tellement proches des citoyens qu'ils ont l'avantage de voir ce qui ne va pas et de pouvoir dire ce qu'il faut faire. Et donc, je pense que le mot pyromane, je dirais même plutôt pompier. Parce que si on avait entendu ces avocats, et ces professeurs, on aurait beaucoup épargné. Au contraire, on a organisé un dialogue en trompe-l'œil pour ensuite les arrêter. Je ne sais pas si on ne peut pas même dire que ce dialogue permettait d'identifier ce qu'il fallait arrêter, puisqu'après on les a tout pris. Donc le rôle des avocats était déterminant, c'était clair, c'était structuré, mais hélas on ne les a pas entendus et les choses se sont empirées et j'ai même écrit un article dans lequel je disais très bien que si on n'entendait pas maintenant, cette tempête allait se transformer en tornade, quelque chose comme ça, j'avais dit. Voilà, on va rester quelques petites minutes encore sur le sujet pour aller réexaminer les solutions qui sont envisagées et expérimentées jusqu'ici par les représentants du gouvernement. Est-ce que vous comprenez, Maître Mouna, qu'ils en soient obligés de faire usage de la force légitime à travers les forces de l'ordre qui sont sur le terrain aujourd'hui, vu qu'il faut bien que force revienne à la loi. Malgré quelques dégâts qu'on peut enregistrer sur le terrain, vous devriez pouvoir admettre que l'État a besoin de rester fort, malgré tout, en toutes circonstances. Ouais, écoute, moi je pense que ceux qui trouvent la nécessité de montrer qu'ils sont forts, c'est souvent les faibles. Parce que si vous êtes convaincu de vos actes et que vous êtes fort, vous n'avez pas besoin de le démontrer. Moi, je pense que c'est bien de regarder, c'est très facile de regarder l'instant où les choses se passent. Mais si un État provoque des citoyens, quand ils sont en mal dans leur peau, et ces citoyens réagissent, et vous venez maintenant vous montrer que c'est vous qui avez la force, je regrette, c'est une force mal utilisée. Et c'est pour ça que je dis que d'ailleurs, l'International Crisis Group a sorti son rapport il y a 2 jours, dit clairement, et toutes les organisations internationales sont catégoriques. Il y a un risque d'insurrection. Oui, non seulement ça, mais ils disent aussi qu'il y a un usage disproportionnel de la force. Parce que quand vous traitez avec des gens qui n'ont pour seule arme que des branches de plantes, et vous faites usage des armes, pas des balles blanches, mais des balles réelles, je pense qu'il faut quand même se poser la question. Je pense qu'il y avait plusieurs façons de traiter ce truc, cette crise, ces malheureux incidents. C'est en écoutant, en dialoguant. On n'en serait pas arrivé là.
Voilà, mais sauf que tout le monde parle de dialogue, mais sans en définir les modalités. On va peut-être revenir, revenons sur le cas de ces personnes qui sont toujours détenues. Quelle est, de votre point de vue, la meilleure manière de les faire sortir de prison? Ou alors vous comprenez que par ailleurs, tout le monde n'a pas pu bénéficier de cette vague de libération autour des personnes arrêtées à la base? Mais écoutez, quand j'avais fait une requête au chef de l'État proposant la libération de tout le monde, je le faisais sur une base légale. Parce que je sais qu'il y a eu du débordement, je sais qu'il y a eu la provocation, je sais qu'il y a des Camerounais qui ont exprimé, n'est-ce pas, leur colère. Et je me suis dit, pour un nouveau départ, il faut vraiment repartir à zéro. Il faut que tout le monde soit libéré. Second plan, c'était sur le plan juridique. Les avocats qui étaient à l'audience, les premières audiences, ont demandé que l'affaire commence. Le commissaire du gouvernement a demandé la jonction de, je crois, 27 procédures. Donc, il a demandé que toutes les procédures soient jointes. Donc, tous les 27 personnes étaient poursuivis sur un acte, même acte d'accusation et injonction. Le président, dans sa sagesse, décide d'utiliser le texte en ordonnant la libération de ceux qui sont incarcérés, en demandant l'arrêt des poursuites. Tout au moins, légalement parlant, on devait s'attendre à ce que les 27, tous les 27 qui sont sur le même acte d'accusation, soient libérés en même temps. Puisque c'est l'arrêt de poursuite. C'est eux qui ont voulu la jonction. Ils n'ont pas disjoint. Ils sont allés directement vers la libération de certains, mais pas d'autres. Ça, c'est pas juridique. C'est l'exercice d'une discrétion que je n'arrive pas encore à m'expliquer, mais je pense que sur le plan juridique, on ne peut ordonner l'arrêt des personnes qui sont poursuivies dans le même acte et qu'il y ait d'autres qui sont sortis, d'autres qui sont dedans. Troisièmement, sur le plan purement politique, je pense que si le président tente d'apaiser les choses en ordonnant l'arrêt de poursuite, qu'on laisse certains et qu'on garde d'autres, mais vraiment néant la volonté du président. Parce que ceux qui sortent se sentent toujours solidaires de ceux qui sont restés, voire même coupables, qui partent en laissant leurs frères. Donc je pense que c'est une chose qui a été très très mal gérée. Voilà, pour sortir donc de cette évocation, pensez-vous aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de International Crisis Group, vous avez été le premier également, Maître Mouna, à saisir l'Organisation des Nations Unies. Ainsi que j'avais saisi aussi l'International Crisis Group. Tout à fait, voilà. Mais sur cette saisine, à l'époque d'ailleurs, vous avez fait l'objet de beaucoup de critiques en rapport avec le terme génocide qui guetterait le Cameroun aujourd'hui. Donc vous êtes l'un des artisans qui voudrait, c'est une interprétation, faire intervenir la communauté internationale. Soit, ça voudrait donc dire que désormais, pour qu'on sorte de la crise anglophone, il va peut-être falloir que l'Union africaine, les Nations unies et Amnesty International, peut-être Transparency également, puissent nous aider à sortir de là, vu que nous-mêmes, Camerounais, on n'est pas en mesure de le faire. Vous voyez, je suis content que vous reveniez sur ce courrier que j'ai adressé, qui a fait l'objet de toutes sortes d'interprétations. Les personnes qui n'ont pas l'avantage de comprendre l'anglais, ils auraient pu simplement se refaire un dictionnaire ou bien un traducteur. Chacun a regardé et a interprété à sa manière. J'ai dit qu'il y a des éléments dans le comportement qu'on voit qui peuvent mener au génocide. Je ne suis pas arrêté là. J'ai donné des exemples concrets, me basant sur un exemple concret. En l'occurrence, le Rwanda. J'ai dit que si quelqu'un dit sur les antennes qu'il y a les rats qu'il faut exterminer parlant des êtres humains, ça,
Ça me renvoie au Rwanda. Si quelqu'un dit que les citoyens sont des chiens, que s'ils sortent dans la rue, ils vont voir ce qu'ils vont voir, ça me renvoie au Rwanda. Si un ministre du gouvernement appelle des citoyens terroristes, ça me renvoie au Rwanda. Si encore, sur les plateaux d'une télévision, quelqu'un se permet de dire qu'il faut qu'on renforce les troupes à Bamenda, dans le nord-ouest, il faut qu'on visse, qu'on fasse des calés-calés, qu'on les malmène, et non seulement que même à Yaoundé, où il y a des quartiers, où il y a des anglophones, il faut qu'on aille voir, parce qu'ils jubilent quand ça se passe au nord-ouest, je pense qu'il y a problème. On est en train de faire exactement ce qui se passe dans un pays, dans une période avant génocide. Ça veut dire quoi? On délimite un groupe, on leur donne des noms, on les traite d'une menace pour le reste, et puis on les mate. C'est ce qui se passait. Alors, j'ai dit, faisons attention. C'est Kofi Annan qui le disait lui-même. Le génocide commence par une personne tuée. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse attention. Je pense que j'ai déclenché l'alerte, et c'est ce que j'ai fait. Et je le referai. Et je ne pense pas que j'ai mal fait. Vu la tournure des choses sur le terrain, vous pensez que vous êtes toujours dans cette même logique? Vous ne vous êtes pas trompé peut-être? D'ailleurs, sur le nombre de victimes... Je pense que c'est une bonne chose, parce que je suis content de l'honnêteté de ces Camerounais-là, parce qu'ils ont demandé pardon, ils ont rétracté ce qu'ils ont dit. Il n'y a que le membre du gouvernement qui persiste, c'est-à-dire que, bon, il est en route des terroristes. D'ailleurs, moi avec, vous savez très bien, j'ai été interpellé à la gendarmerie, moi aussi... accusé de terrorisme, de toutes sortes de choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis content que je l'ai fait. Les gens sont plus conscients, le débat est vif, les gens voient le danger, et vos collègues ont retiré ce qu'ils ont dit. Je pense que c'est très brave et honnête de leur part. Donc, je pense que c'était bien de sonner l'alarme, qu'il faudrait qu'on fasse attention. Donc... Mais sauf que ça ne suffit pas jusqu'aujourd'hui, Maître Akeremouna. Comment on en sort finalement? Est-ce que on peut envisager l'envoi de casques bleus, par exemple? C'était ça le sens de la question. Ouais, je pense le dialogue qui a été envisagé. Nous avons un problème purement camerounais. Le seul problème que nous avons, c'est quoi? C'est le fait que il y a plus de confiance, pas seulement entre les anglophones, mais confiance entre le peuple et le gouvernement. Il n'y en a plus, absolument plus. Faute à qui? Je dirais par ceux qui gèrent la cité. Dites-vous bien, dans les années 90, début 90, le débat sur la forme de l'État était vif. Suivant les élections de 92, où certains anglophones pensaient que, bon, Frundi n'a pas gagné parce qu'il était anglophone. Résultat, la montée du mouvement anglophone. Ils ont fait l'anglophone, All Anglophone Conference. Je viens à répondre à votre question. Et il y avait donc cette montée. Et l'aboutissement de cette montée de ce sentiment anglophone était une demande vraiment très forte pour le fédéralisme. Une demande que l'État a très vite décernée et proposait en contre une décentralisation avec des régions autonomes. On est en 96. Quand la Constitution sort. De quoi on dit, bon, mais voilà, on va voir comment ça va marcher. 96 à aujourd'hui, 21 ans, rien ne s'est passé. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir confiance à un gouvernement qui, par ailleurs, exécute d'autres programmes avec une célérité On va revenir tout à l'heure sur les préconisations qui sont les vôtres. Donc, c'était pour dire, en sortant de là, que les solutions au plan endogène ne peuvent plus prospérer. Donc, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a une perte de confiance entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Ce qui fait qu'ils pensent que s'il y a un arbitre, les choses pourraient se passer différemment. Mais moi, je pense qu'on a encore une chance. C'est pour ça que je propose ce que j'appelle un dialogue horizontal entre les citoyens. Il y a un groupe avec le docteur Monzo qui propose ça, qui veut que les citoyens parlent entre eux. Je pense que d'ailleurs il y a
le docteur Bédzigui Célestin qui parle aussi de ça, ce dialogue horizontal, qu'on laisse les Camerounais discuter entre eux-mêmes et comprendre ce qui est bien et proposer au gouvernement, voilà ce qu'il faut. Mais du moment où vous avez des personnes qu'on a vues ne possèdent aucune légitimité, alors aucune, qui ne sont pas respectées par le peuple, d'aller diriger ce dialogue-là, c'est perdu d'avance. Maître Akeremouna, il reste donc que c'est dans ce contexte de crise exacerbée que vous choisissez finalement de faire votre déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2018 sous la forme d'abord d'un discours à travers les réseaux sociaux, toute chose qui vous aura été au passage reprochée, puisque dans la suite également, interview dans un journal français, les Camerounais n'ont pas compris pourquoi avoir opté pour le choix de médias étrangers avant de revenir leur parler à travers la presse nationale. Bon, si ceux qui ont regardé, n'est-ce pas, l'article de Jeune Afrique, ont vu que sous la photo, on a marqué la date. En fait, la photo a été faite le 4 octobre, je pense. J'ai donné... Jeune Afrique était ici pour un reportage normal sur le Cameroun, sur le problème anglophone. Et il est venu me rencontrer au moment où j'étais en train de préparer ma déclaration que j'ai faite et que j'ai lancée à partir du Cameroun. Donc, ils ont eu la chance de pouvoir saisir l'opportunité. Et je pense que c'est vraiment un procès d'intention. Voilà, c'est à l'étranger, pour le simple fait qu'on est dans un monde global aujourd'hui. Jeune Afrique a été opportuniste, c'est le cas de le dire. Ils étaient là quand je travaillais sur la déclaration et je l'ai avoué sans embâche. Donc je ne pense pas que ça devrait être pris comme cela. Et j'avais un problème de calendrier. Tout de suite après, j'avais trois réunions. J'avais deux réunions à Londres, un avec le comité Bou Ibrahim, l'autre pour participer à un comité restreint sur les réformes sur l'Union africaine. Puis par la suite, je partais à Berlin pour l'Assemblée générale de Transparency International. Et je devais aussi déposer ma démission de International Anti-Corruption Conference. Donc, c'est cela. Et j'étais en transit à Paris, et votre confrère, il y en a qui sont venus me voir pour l'interview que j'ai faite. Mais il faut aussi remarquer que le lendemain de mon arrivée, je suis arrivé à Yaoundé dans la nuit, je pense, de mardi. Je suis arrivé chez moi à 22h. Et le lendemain, à 9h du matin, j'ai rencontré la presse nationale pour réciter les choses. Donc voilà, je pense que c'est une histoire d'interprétation, pas de choix. Pour revenir donc sur cette déclaration, vous dites « Ensemble, marchons vers une nouvelle République ». Pensez-vous que l'avènement de cette nouvelle République est possible dans le contexte actuel? Avant de revenir sur vos motivations essentielles, je veux parler du contexte politico-électoral. On sait que Elections Cameroun est presque adossé sur le pouvoir en place. On sait que toute l'administration centrale également être plus ou moins proche du parti au pouvoir. On n'a même pas encore de visibilité sur ce calendrier de 2018 aujourd'hui. Donc la nouvelle République que vous appelez de tous vos voeux, elle pourra arriver sous quelle forme? Maître la volonté du peuple. Oui. C'est simple. La volonté du peuple. Si vous avez écouté mon discours, j'étais clair. J'ai dit que nous n'avons plus peur. C'est que nous ont endormis. Ils doivent savoir qu'on est réveillés. Moi, je passe... place mon action au centre et ça va être tracté par la volonté du peuple. Et je ne pense pas que notre machine électorale a déjà eu à gérer la volonté du peuple. Volonté du peuple, vous rappelez, pardonnez-moi, que le Cameroun n'a vraiment jamais pu élire son président au premier mandat. Donc aujourd'hui, vous pensez que tout cela est possible. Moi, j'insiste sur le caractère un peu vicié du processus électoral. Nos élections ont toujours été presque toutes contestées, avec beaucoup de combines à l'intérieur. Et c'est pour cela que certains jeunes leaders, comme Cabral Libi et bien d'autres, comme les gens du SDF, ont d'abord appelé à la révision du code électoral. Je pense que appeler à la révision du code électoral maintenant peut constituer une distraction. On est à moins d'un an de la convocation du collège électoral.
Donc, ça doit se faire au moins 90 jours avant. Donc, je pense qu'on est juillet, il faudrait convoquer. Donc, c'est peut-être 9 mois, on est là. Moi, je pense que, puisque vous parlez de Cabral Libi, il a vu juste, le président est élu la dernière fois, 1, 2, 3 et 4 millions de voix. Mais il y a combien d'électeurs, en fait? Entre 12 et 15 millions d'électeurs. Qu'est-ce qui se passe avec les autres qui n'ont pas voté? Donc je pense que le peuple doit comprendre qu'il a le pouvoir de choisir son leader en s'inscrivant et en votant. La meilleure machine contre la fraude, c'est le vote massif, la volonté du peuple. Ils l'ont appris en Gambie. Donc c'est grain de neuf. Ceux qui pensent qu'ils ont des textes qui permettent de produire le résultat qu'ils veulent, doivent s'apprêter aussi pour une surprise que va leur fournir le peuple. Voilà, le peuple, l'alternance. Sur les dernières élections, dans le début des années 92, vous déclarez mercredi dernier à Yaoundé que le leader du SDF, vous le pensez, de façon péremptoire, a bel et bien gagné l'élection de 92. Est-ce que vous pouvez le redire avec toute la certitude du monde pour qu'on puisse le retenir ainsi? Je vous ai dit à l'entame de ce programme que j'étais dans l'équipe qui était chargée de compter les voix. Les voix qui nous sont parvenues, venant des bureaux électoraux, que j'ai eu à additionner, donner John Fundi gagnant. Il faut que cela soit clair. Première chose. Seconde chose. Avec cette conviction, j'ai saisi la Cour suprême en annulation, avec les preuves à l'appui. Les dirigeants du SDF, pour des raisons qu'ils maîtrisent mieux, ont décidé de retirer ce procès. Le président de la Cour suprême, aujourd'hui retraité, un juriste que je respecte, a dit qu'il aurait pu examiner la requête de SDF qui semblait être le plus sérieux, mais cette requête avait été retirée. C'est lui qui ne lui permettait pas de l'examiner. Donc, et un troisième élément qui relève un peu qui est carrément anecdotique, c'est ce que nous avions entrepris à l'époque. D'annoncer tous les jours les résultats reçus. Par des pages, on n'avait pas l'Internet à l'époque, donc on avait une espèce de document qu'on distribuait, les gens se tassaient devant le bureau pour avoir ces feuilles-là, avec les résultats du jour, qu'on faisait annoncer par une presse privée qui était très voyante à l'époque d'ailleurs. On faisait annoncer ça. Et puisque c'était la première fois qu'on avait ce genre d'élection, j'avais sorti les fiches des dernières législatives, pour que les jeunes volontaires qui étaient dans le bureau puissent mettre les résultats circonscription par circonscription. Donc, ils avaient les chiffres des dernières législatives. Mais à côté, donc, ils mettaient les résultats. Soudainement, le ministre de l'AT trouve qu'il fallait absolument donner des résultats aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui aussi commencé à donner des résultats que nous étions obligés de comparer avec les nôtres. Mais un jeune gars, je crois, de 22 ans, qui était en fac de droit en statistique, faculté de statistique ou mathématiques, est venu me voir 2 ans après. Il dit qu'il y a tout ce qui ne va pas. J'ai quoi? Il dit, mais les chiffres que j'ai là, que je note, sont les mêmes chiffres qu'on avait au législatif. Et j'ai comparé, extraordinaire, c'était cela. Je suis allé trouver un journaliste à l'époque de Libération, M. Stephen Smith, je suis allé le trouver à Hilton, j'ai dit, voilà des résultats que l'État est en train d'annoncer à la radio, et voilà des résultats des législatifs. C'était pareil. Ce qui a amené RFI à interroger le ministre de la Communication de l'époque, le ministre Conchou, Dr. Conchou, professeur agrégé, qui a dit, c'était une erreur.
que les résultats nouvellement reçus avaient été mis dans le tiroir où il y avait les anciens résultats, et en retirant les feuilles pour donner pour la publication, ils se sont trompés de feuilles. Bon. Quand vous entendez ça, que les gens sortent des résultats avec une certaine légèreté, et mettez ça à côté de l'efficacité de la machine, qui garde des résultats 5 ans après dans le même tiroir, pour y ajouter ceux qui sont sortis la veille, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ces résultats-là, à mon avis, n'étaient pas fiables. Et je vous mets au défi de me montrer le pays africain où le président sortant a gagné par 2 points ou 1,5 point. Donc, je pense que, bon, c'était un phénomène nouvel. Et ça a donné ce que ça a donné. Ça m'ouvre la brèche pour vous raconter l'anecdote parce que. Pour vous montrer que j'ai milité bien au sein du SDF. Hein. J'étais en week-end, mon père était déjà à la retraite, au domicile, il me dit, mais mon fils, il m'appelait Tabeng quand il voulait... il dit, mais Tabeng, votre parti là, ça carbure et ça donne du monde, les gens viennent. Et il me dit, si vous gagnez les élections, comment est-ce que vous prenez le pouvoir? Il me pose la question. Je dis, mais papa, je ne comprends pas. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Il dit, non, non. Si vous gagnez l'élection, comment est-ce que vous prenez le pouvoir? Il me dit, c'est tard, 22h, 23h, va te coucher, le matin on reprend les débats. Le matin donc, mais avant ça, j'ai pris ma voiture de Bengui, sur la mauvaise route, tadada la nuit, vers minuit, arrivé à Bamenda, allé au fief où il y avait tout le monde, les Fouaka et les autres du SDF, j'ai dit, écoute, on m'a posé une question, je n'ai pas la réponse, c'est laquelle? J'ai dit, mon père va me demander que si on gagne l'élection, comment est-ce qu'on prend le pouvoir? Il me dit, oh, c'est un vieux, il ne comprend pas, c'est clair, quand on gagne, on gagne. Je dis, bon, mais c'est la réponse que j'avais déjà donnée à mon père. Sauf la partie où on disait qu'il est vieux, évidemment. Et je me suis tué, et je suis rentré au village. Le matin, 9h, mon père est déjà pour le petit déjeuner, il m'appelait, mais où tu es? Je vais m'asseoir, il dit, bon, réponse à ma question. Je lui dis, vraiment, je ne comprends pas. Si on a gagné, on a gagné. Non. Je pose ça avec un but précis. Vous ne pouvez pas prétendre prendre le pouvoir en ayant un langage contre les institutions de pouvoir. Vous ne pouvez pas vous attaquer aux gendarmes, aux policiers, aux préfets dans votre langage de campagne, même aux Français qui sont le garant de votre propre, de notre propre monnaie. Demander le boycott des produits français, menacer les gens qui travaillent avec le gouvernement, les mêmes gens avec qui vous êtes appelés à travailler demain. Quand j'ai vu les dernières élections en France, j'ai entendu la présidente du Front National menacer les fonctionnaires qui vont voir, c'est ce qu'ils vont voir dans le cas où ils ne suivraient pas. C'était un peu cette ambiance-là de menace. Mon père dit que si vous faites ça, les gens qui doivent surveiller, vous aider et vous accompagner vont vous lâcher. Puisque vous commencez déjà par les menacer. Donc, pour dire que dans le contexte de l'époque, il était bien difficile, malgré ses résultats, pour un parti d'opposition d'arriver aux affaires. En se positionnant comme contre les institutions de la République, il fallait absolument confondre les institutions, leur dire que. On pouvait promettre un avenir meilleur, et surtout venant du fait que on avait un candidat atypique, un libraire, unilingue, pas connu, qui a été projeté sur la scène politique par son courage. Très bien. Fermons la page du SDF. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ce sera encore plus difficile en 2018 pour quelqu'un qui serait issu des milieux différents du pouvoir d'accéder à celui-ci, soit. Mais l'évocation du nom de votre père nous amène à précisément vous demander si, pour vous, Akere Mounas, c'est un atout ou alors un handicap de porter ce nom-là dans la posture qui est la vôtre aujourd'hui. Je le dis souvent, hein. Il y en a qui ont eu la chance de choisir la famille dans laquelle ils sont nés. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Je suis né le 7e fils de Mouna et je le demeure, je n'y peux rien. Mais pour la culture
que j'ai, pour l'éducation que j'ai eue, je ne peux que remercier Dieu pour m'avoir donné les parents que j'ai eus. De ce côté-là, vraiment, pour moi, pour ma formation, c'est un atout extraordinaire. Bon, mon père avait ses options. Si on veut me juger aujourd'hui, à l'âge que j'ai, par les options de mon père, je n'y peux rien. Mais je pense que je connais les Camerounais, ils sont plus astucieux que cela. Ils peuvent juger les autres Camerounais en fonction de leur capacité, en fonction de ce qu'ils procèdent, ce qu'ils possèdent et ce qu'ils proposent. Personne n'a jamais jugé le président Biya à base de sa famille ou du fait que il a été un collaborateur pendant plus de 25 ans du président Ahidjo. On le juge à partir des actes qu'il a posés. Quand il a l'adhésion de tous les Camerounais en 85 ou en 84, après le tentative de coup d'État, c'est à base des idées qu'il a émises et de l'espoir qu'il pouvait faire naître dans le corps des Camerounais. Donc je pense que je ne suis pas du tout troublé par cela. En ce qui concerne ma formation personnelle, je pense que c'était un atout. Très bien. Avant d'évoquer vos propositions, aujourd'hui, l'alternative que vous suggérez aux Camerounais, quel est le reproche principal, Maître Akeremouna, que vous pourriez être amené à faire au président Biya, que vous avez d'ailleurs plutôt très bien côtoyé et bien connu, si on vous demandait finalement de nous dire la chose essentielle qui fait que pour vous, il ne soit plus aujourd'hui l'homme de la situation? Bon, écoute, je suis quelqu'un d'emblée qui pense que les mandats doivent être limités. Et je pense qu'au-delà de cet nombre de mandats, ce qu'on peut proposer devient de plus en plus difficile à accomplir. Secondement, se dire critique direct du président Biya, il a son style qui participe beaucoup de la délégation. Donc, mais les bénéficiaires de cette délégation ont fait tout et n'importe quoi. Et le pays se trouve aujourd'hui à genoux. Donc s'il y a une reproche, c'est cela, de laisser beaucoup de choses au temps. Bien sûr, des fois, il finit par servir, mais je pense que c'est cela. Vous voulez le disculper de la responsabilité première en tant que chef de l'État, puisque vous parlez de ce que peuvent avoir fait ses collaborateurs aujourd'hui? Je ne suis pas en train ni de l'inculper ni de le disculper. Donc il faut le consacrer. Oui, essayons de juger l'homme d'État. Paul Biya, quelle est la perception que vous avez de l'homme d'État qu'il a été? Il faut qu'on soit clair. Il avait ses options pour ce qu'il a fait. Moi, je suis proposant. Je ne suis pas opposant. Il faut qu'il soit clair. Je pense que mon style sera un style différent. Un style qui vous amène à être très proche du peuple. D'ailleurs, j'aime citer Mme Banda, l'ancienne présidente de Malawi, qui a dit que pour être président, il faut être amoureux. Amoureux, c'est une histoire d'amour entre le peuple et son président. Donc je pense que il faut cette proximité du peuple qui vous permet de les entendre clairement. Et je pense aussi que il y a des secteurs qui devaient être au cœur des soucis d'un pays comme le nôtre, qui ont été plus ou moins négligés. Peut-être on en parlera quand vous allez parler de mon programme, comme je l'ai parlé donc. Mais je pense que le système de délégation que le président a instauré a permis aux uns aux autres de faire du n'importe quoi. Et dans un système politique, le responsable, c'est le dirigeant. Donc, voilà. On a quand même passé une belle trentaine d'années sous la houlette du chef de l'État camerounais. Je voudrais vraiment insister là-dessus sur le jugement qu'on peut avoir de ces derniers en tant que président de la République du Cameroun pendant toutes ces années. Autrement dit, est-ce que le choix de M. Ahidjo
portée sur le personnage Paul Biya aura été bien ou mal pour le Cameroun. Mais écoute. Parce que c'est bien le président Ahidjo qui a jeté son dévolu. Et le président Ahidjo lui-même a donné son jugement sur le successeur qu'il a choisi. Il a dit qu'il était fourbe, il a dit qu'il était hypocrite. C'est le président Ahidjo qui parle, moi je le cite. Donc ça, c'est une appréciation de son choix. Mais quand le président Biya prête serment, il place son premier mandat, ou bien sa présidence, sous le principe de moralisation. Mais je pense, à mon avis, qu'après le tentative de coup d'État de 1984, quelque chose a changé. Et ceux qui sont autour de lui ont confondu la survie de la République avec la survie du président de la République. À partir de ce moment, je pense que les jeux étaient tronqués et on commence à regarder plus vers le président que plus vers le peuple. Donc, les textes qu'on fait, on renforce le pouvoir des gens qui ne sont pas votés, on renforce le pouvoir de l'administration centrale, on écarte les autres personnes de la gestion de la politique. N'eût été la venue du FMI, où on a dit que non, c'est le secteur privé qui doit tracter l'économie. Même jusque-là, on le fait à tâtons. Il y a beaucoup de choses qui tentent toujours, comme vous avez dit vous-même, d'affirmer la force de l'État. Quand ce n'est même pas nécessaire. Quand ce n'est même pas nécessaire. Donc je pense que depuis 1984, il y a eu cette mutation dans le comportement du président et la gestion de la République. Très bien. Alors, vous lancez le mouvement Now, on en arrive. D'où est partie l'idée? Et qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement à connotation politique disposant de la personnalité juridique ou alors c'est juste un appel à un rassemblement de toutes les personnes qui seraient intéressées? Oui, ça c'est un appel à un rassemblement. Un appel qui porte en même temps l'urgence qui est dans laquelle nous trouvons. Si nous étions encore malades, je dirais qu'on est dans la salle d'urgence. Je dirais que il faut rapidement, maintenant, voir venir cette nouvelle République. Qui va prendre en compte le changement dans la démographie? La jeunesse est majoritaire. Qu'on prenne en compte les femmes quand même. Les femmes sont à 50%. Ou même au-delà, plus de 50%. Mais je pense que les droits de femmes sont vraiment lésés. Je le dis tout le temps, on ne peut pas imaginer que notre pays a qu'une seule ambassadrice. Qu'une seule. Vous regardez même les dernières élections qu'il y avait au niveau de l'Union africaine. Je crois qu'on a fait 8 ou 9 candidats. L'Union africaine prône la parité. 5-5, 2-2-1-1. Nous avons envoyé une liste de 9 candidats où il n'y avait qu'une seule femme. Donc, je pense qu'il faut voir. On parle de la jeunesse. Comment on peut gérer sans prendre leur avenir en compte? Un membre du gouvernement m'a raconté une histoire selon laquelle ils étaient dans une réunion et un de ses collègues a dit « Mais on parle de 2035. Est-ce que toi et moi, on va être là? Pourquoi on nous embête avec l'histoire de 2035 ?» C'est un peu cela. Je pense que il faut donc, à cause de la démocratie, ça urge de voir les dirigeants qui sont en phase avec ces évolutions-là. On parle de l'ère de la numérisation. Là-dessus, nous freinons. Vraiment, nous freinons sur des choses basiques. Le payage, le côté foncier, les permis de conduire, la consolidation des différentes listes qui ont les mêmes bases, les actes de naissance. Ça veut dire que je suis convaincu désormais que ce freinage-là, c'est exprès. C'est parce qu'on est bête, parce que partout dans le monde, les Camerounais excellent dans ce côté. Si vous partez à Silicon Mountain, vous allez voir des jeunes Camerounais incroyablement intelligents dans le secteur. On a même eu un jeune de 17 ans qui a gagné le prix de Google. Donc je pense qu'il y a des choses
qui doivent être faits. Mais pour répondre plus concrètement à votre question, il faut absolument maintenant qu'on ait une politique qui est au centre du peuple et son développement. Et vous avez dans votre déclaration rappelé que vous disposez bel et bien, vous, à Kérémouna, de connaissances suffisamment pointues aujourd'hui en matière d'évaluation de la gouvernance. Ah, et ouais. L'une des choses qui ont longuement freiné le Cameroun, c'est bel et bien au niveau de la lutte contre la corruption. Vous êtes un des acteurs majeurs de Transparency International et jusque-là, même de votre temps, malgré toutes les dénonciations qui avaient été faites, le Cameroun n'a vraiment pas... pu renverser la donne en matière de corruption au Cameroun. Comment pensez-vous pouvoir, seulement si vous êtes chef d'État aujourd'hui, que la corruption peut retourner? Pas du tout. On a diminuer. Un problème systémique. Ouais. Donc, on peut réparer et agir sur les symptômes, mais tant qu'on ne change pas le système, si vous parlez du problème foncier, les fraudes dans la matière foncière disparaissent avec l'informatisation. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les cartes d'identité et les passeports. Ce que ça donnait comme agonie à beaucoup de personnes qui avaient plusieurs identités. Il y a beaucoup de secteurs. Qu'est-ce qui fait de sorte qu'un responsable qui part à l'étranger en mission ne parte pas avec une carte de crédit? Pourquoi doit-il partir avec tout un sac bourré de billets de banque? On ne sait plus à l'époque. Donc je pense qu'on a un problème systémique qui est... Qu'est-ce qui se fait que pour aller au Rwanda, vous et moi, on peut décider aujourd'hui, on va sur l'ordinateur, on remplit les fiches, et on prend l'avion, on arrive là-bas, on paye, je crois, 50 dollars ou 25, et on entre avec le visa. Pourquoi? Simple péage au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des gens là en train de... Quand il y a des systèmes qui permettent... La manipulation des fonds. Oui, justement, ouais, c'est ça, et je pense que c'est cela. Il faut éternellement qu'on se retrouve avec des caisses et des caisses des billets de banque. Voilà, donc vous dites aujourd'hui aux Camerounais, Maître Kérémouna, si vous êtes aux affaires, vous avez la formule magique pour nous éloigner définitivement du fléau de la corruption. Maintenant, pour rendre une atmosphère, et là j'emprunte au président Kagame, tolérance zéro. Ce n'est pas parce qu'il y a des prisons et les tribunaux qu'il n'y a pas de voleurs. Mais ça veut dire que si vous amusez, si vous attrape, le président Kagame l'a dit lui-même, il dit, Maître Bouna, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas la corruption au Rwanda, mais si on vous attrape, mon frère, mon cousin, quelqu'un de ma famille, il n'y a pas de discrétion. Vous allez passer. Donc, ce qui fait qu'au Cameroun, je dis toujours dans mes discours, que je ne connais pas un pays en Afrique où vous trouverez un premier ministre, un secrétaire général à la présidence, des hauts dirigeants de pays en tôle. Mais aussi, il y en a aussi dehors, qui donnent l'impression que ceux qui sont dedans, ce n'est pas une discrétion. Et ça, on peut pousser ça plus loin. Parce que les Camerounais disent même que ceux qui sont dedans, là, c'est parce qu'ils ont cherché à prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils disent indirectement? Que si au Cameroun, là, vous pouvez voler autant que vous voulez, tant que vous ne touchez pas à la politique. Si vous le faites, c'est à un moment qu'on vous prend. Et ça, c'est dangereux. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un état de droit qui permet à tout le monde d'être logé à la même enseigne. Très bien. Alors, on va revenir, restons dans les éléments de motivation de votre déclaration. L'actuel président du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, qui est un de vos amis, si je peux me le permettre, lors de la cérémonie, c'est une anecdote, vous le confirmez, vous infirmez, de son investiture à laquelle vous avez pris part à son invitation. Il vous aurait demandé à quand votre tour pour le Cameroun. Bon, écoute, il est avocat comme moi, oui. Je le connais depuis de longues dates. Bon, je pense qu'il a dit dans ce cadre-là, je ne voudrais pas lire dans ses déclarations quelque chose autre que ça, mais votre confrère Jeune Afrique en 2009 avait dit à Kérémouna successeur possible et même probable. Justement, pourquoi vous, revenons sur cette question essentielle, pourquoi pensez-vous être l'une des solutions aujourd'hui? Parce que d'aucuns trouvent que c'est un peu prétentieux de votre part, Maître Kérémouna, d'arriver comme ça, vouloir être à la tête d'un État comme le Cameroun. Vous trouverez prétentieux de prétendre un concours pour passer? Parce que vous pensez que vous avez la capacité, vous direz à quelqu'un qui veut être commissaire qu'il fait le concours, il est présomptueux, qu'est-ce que vous demandez d'être commissaire? Je pense que j'ai rassemblé des connaissances qui me permettent de faire cela. Je l'ai fait dans un autre cadre, je vois les problèmes qui se posent, j'ai proposé des solutions, je pense que j'ai la formation. Je trouve l'élection comme un concours.
Et c'est au peuple de décider si j'ai la capacité de le faire. Et j'estime, il faut d'abord savoir se connaître. Et je pense que j'ai la capacité de le faire. Et je pense aussi que je suis à même de convaincre les Camerounais. Et je pense que je le ferai pour les convaincre que je suis à même de une solution aux mots que nous avons. Et si c'est ça la prétention, ben soit. Très bien. Et parmi vos atouts, effectivement, on évoque le fait que vous soyez plutôt parfaitement bilingue aujourd'hui. Est-ce que vous adhérez à la thèse selon laquelle il faudrait, à la suite de deux présidents d'obédience francophone, qu'un anglophone puisse arriver finalement au pouvoir? Est-ce que vous ne surfez pas un peu autour de cette idée-là qui commence à être bien entretenue aujourd'hui, vu le contexte également? Exactement. C'est très bien posé. Mais je pense qu'il faut voir les problèmes, là, compartiment par compartiment. Il est normal que l'anglophone s'interroge, que depuis avant près 56-57 ans d'indépendance, est-ce qu'il faudrait dans cette république que la première personnalité anglophone soit dans la cinquième position? Dans la répartition des postes de l'État, justement, exactement. Vous pensez que les anglophones ont de tout temps été marginalisés depuis le renouveau? Je dis qu'en 61, oui, on avait une constitution où, quand il y avait un président anglophone, il y aurait un président francophone. Votre père, attends, quand il a été vice-président, justement, c'était encore tout le régime fédéral. Justement, voilà. Donc, c'est cela. Mais si on se retrouve aujourd'hui, vous avez le président de la République francophone, le président du Sénat francophone, le président de l'Assemblée francophone, le président du Conseil économique et social francophone, puis la cinquième personnalité anglophone, qui est donc le Premier ministre, je me dis quand même, il y a quelque chose qui n'est pas bien correct. Vous avez trois ministres en charge de l'éducation. Ça veut dire quoi? Éducation de base, éducation secondaire, enseignement supérieur. Oui. Tous les trois sont francophones. Je pense que on commence à se poser des questions. Il y a, mais pourquoi poser le problème sous ce clivage-là, francophone-anglophone, finalement? Je vais vous donner un exemple. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, finalement. Vous êtes plutôt des deux côtés. Ouais, je suis flatté par le fait que vous pensez que mon bilinguisme qualifie d'être d'un côté, pas de l'autre. Mais je pense qu'il faudrait regarder le problème anglophone et francophone dans un contexte politique. Cette connotation est devenue une connotation politique. Et donc vous mettez la terre et maintenant aujourd'hui, vous vous sentez plus anglophone. Qui tendait plus à être même ethnique. Est-ce que je me sens plus anglophone? Moi, dans le contexte camerounais, je suis anglophone. Je suis originaire d'une région anglophone. Et vous l'assumez très bien. Je l'assume sans problème. Mais pour revenir à votre question de savoir est-ce que... Donc, si vous voulez dire que c'est normal que l'anglophone se dise, mais après 57 temps d'indépendance, est-ce qu'il y aura un jour un anglophone? Est-ce que le fait que Frundi n'a pas réussi, ce serait parce qu'il est anglophone? Donc c'est une question qui peut être posée. Mais ce n'est pas là-dessus que je me base. Par mon parcours, j'ai été élu à deux mandats du barreau du Cameroun, par un barreau majoritairement francophone. J'ai été élu président d'un des organes de l'Union africaine, proposé par la Côte d'Ivoire, un pays anglophone. J'ai été élu président à mon second mandat de l'Association panafricaine des avocats, par le barreau sénégalais, suivi par le barreau de Tunisie, des pays qui ne sont pas du tout anglophones. Donc je pense, je ne me place pas sur ce plan-là. Je pense que je suis un Camerounais qui a des connaissances, qui peut trouver avec d'autres Camerounais la solution. Je pense qu'il faudrait qu'on parte de cela. Mais cela étant dit, il n'est pas concevable aujourd'hui qu'on ait des dirigeants à un certain niveau qui soient unilingues. Au Canada, c'est clair, vous pouvez voir ça. Ce n'est pas normal que j'aille à Kousséri, où tout le monde est francophone, et il faille faire recours à un interprète. C'est pas normal. Je pense qu'il faudrait que, si on prétend fédérer les peuples d'un pays, quand je vais vers eux, je parle dans une des langues nationales qu'ils comprennent. Pour moi, c'est un atout, c'est même une nécessité. Voilà. Autre idée reçue, on va encore revenir malheureusement sur vos origines aujourd'hui, parce que beaucoup pensent également que votre assez longue proximité avec le pouvoir en place, vu les circonstances. D'ailleurs, au passage, l'une de vos sœurs a régulièrement été nommée ministre
vous disqualifie en quelque sorte aujourd'hui de vouloir vous ériger en contradicteur de ce pouvoir-là. Et d'ailleurs, beaucoup pensent également que vous auriez pu bénéficier de beaucoup de privilèges et avantages du fait de cette appartenance-là. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Écoutez, moi, je vous demander de souffrir un peu que je vous réponde de façon exhaustive. Parce que je pense qu'il faudrait, une fois pour tous, écarter certaines histoires qui sont colportées. Et je dois commencer d'emblée à rejouer du fait que personne ne parle de ma compétence, ni de mes connaissances. On parle de choses qui sont accessoires. Je suis aussi content pour vous que vous n'ayez pas un parent qui est en prison. Parce qu'on dirait peut-être que peut-être vous-même, vous avez un frère qui est en prison, que peut-être vous-même, quelque part, vous êtes aussi pénalement responsable. Mais soit. La proximité avec le président Biya, c'est ce que je souhaiterais avec tous les Camerounais, avec le président. Est-ce que j'ai une proximité? C'est pas ce qu'on appelle proximité. Parce que je suis à Yaoundé. Yaoundé a plus de 2 millions d'habitants. Est-ce que c'est pour cela, la proximité? Mais nier le fait que quand mon père était vice-président de la République, le président Biya était secrétaire général, donc qui nécessitait une certaine relation de travail. Le président Biya partait des fois à Boya, dans des cas des dossiers définitifs, quand mon père faisait l'intérim pour le président Aïjo, qui était hors du pays. Donc, nier cela, ce serait nier l'évidence. Nier le fait que mon père a été aux affaires pour une période, ce serait nier l'évidence. Mais, à part cela, on dit bénéficier. Moi, ça me fait rigoler. Je suis rentré du Cameroun, inscrit au barreau de Londres en 78. J'ai attendu 4 ans pendant que mon dossier tournait avec un père qui était supposé être deuxième personnage dans les administrations. Ça tournait. Je m'en suis plaint chez mon père. Il m'a dit, allez-y, on peut vous ralentir, mais on peut vous arrêter. J'ai souffert 4 ans avant d'être mis au grand tableau. J'étais stagiaire, avocat stagiaire. Quand je voulais rester en Angleterre, exercer le métier comme avocat tout court. Heureusement pour moi, j'avais un frère aîné qui avait son cabinet, je travaillais avec lui. Donc, est-ce que c'est cela, bénéficier du système? Je n'en sais rien. Je me rappelle, je suis entré dans le bureau du directeur qui devait me recevoir. Il a pris mes dossiers. Il dit que votre frère est déjà avocat. Pourquoi vous voulez être avocat? Je lui ai dit, monsieur le directeur, je suis avocat. Je ne veux pas être avocat. Et les gars, ils me disent, ah, les anglophones avec les faux diplômes. Allez attendre. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, alors, j'ai subi cela. Je suis resté. Par amour pour mon pays, parce que je pensais que les choses vont changer. Donc, dès que j'ai eu des avantages, m'amuse un peu trop. Quand mon père était aux affaires, il nous a demandé d'exercer une discrétion dans les affaires dans lesquelles on était constitué. Alors, si vous regardez notre portefeuille, vous allez voir que pendant que mon père était aux affaires, on n'a pas été constitué pour les affaires d'État. C'est possible que l'année ratée ou deux, mais je pense aujourd'hui qu'on n'a pas eu d'affaires. Les premières affaires dans lesquelles on est constitué pour le compte de l'État, c'est après le départ de mon père. Et ces affaires se comptent sur une semaine. Il y en a 5 ou 6 dossiers. Et la plupart de ces dossiers, dans la zone, dans les pays anglophones, parce que j'estime que les autorités pensaient que j'avais les compétences pour cela. Soit dit en passant que j'aurais aimé être constitué dans l'affaire Bakassi, mais je ne l'ai pas été. Très bien. Alors, on va également vous demander, Maître Mouna, est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, finalement, d'être dans le collimateur de ce pouvoir? D'ailleurs, on le sait, il y a quelque temps, vous avez fait l'objet d'une procédure qui, heureusement pour vous, aura été stoppée. Depuis l'annonce de votre candidature, il n'y a pas trop d'enthousiasme de la part des médias de services publics, par exemple, vis-à-vis de l'administration également. Est-ce que vous ne craignez pas pour 2018 sur les conditions, soit de votre sécurité, soit même de votre épanouissement sur le terrain? La question, c'est la question qui me revient tout le temps. Je parle de beaucoup de Camerounais qui m'écrivent, ceux même qui s'offrent à m'aider, et même à l'étranger. Les moyens de l'État, on les connaît. Moi, je ne les ai pas. Mais je pense que il y a des choses qu'on doit faire sans la peur. Je ne dis pas qu'on doit être téméraire. Je demande seulement qu'on soit courageux. Et je me veux courageux. Mais je ne suis pas téméraire. Pas du tout.
Donc, les gens vont déployer les moyens, ils vont faire ce qu'ils veulent faire, mais je laisse ces gens-là gérer la postérité. Parce que c'est bien de réfléchir maintenant, mais il faut savoir que ce pays, nous l'avons trouvé, ce pays, nous allons le laisser. Donc, les actes que nous posons, posons-nous la question, est-ce que c'est dans l'intérêt du pays ou non? C'est la seule question que je me pose. C'est ce que je me pose quand je décide de me présenter. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Ceux qui se posent la question de savoir comment ils vont garder l'avantage après les élections, c'est à eux de gérer cela. Et comme bon chrétien, je fais ce que je dois faire en prenant les précautions qu'il faut. Et le reste, c'est Dieu qui gère. Maître Akeremouna, beaucoup de Camerounais vous perçoivent effectivement aujourd'hui comme l'homme de la situation. Depuis cette déclaration, comment celle-ci va-t-elle se matérialiser sur le terrain? Je veux dire, la mise en marche de ce mouvement. Bon, j'ai fait exprès de créer ce mouvement qui est non partisan, parce que je pense que les Camerounais ont souffert presque 3 décennies de division entre les partis, l'appel à un candidat unique par tel ou tel parti. Est-ce que je pars vers tel parti? Je vais. Donc j'ai créé un mouvement qui rassemble tout le monde. RDPC, SDF, UPC, tous les Camerounais, la société civile, le secteur privé, tout le monde peut venir, qu'ensemble, nous réfléchissons maintenant sur un mouvement vers la nouvelle République. Et que faites-vous de toutes les flèches, par ailleurs, que celle-ci déclenche depuis sa sortie? Il y a une nette virulence quand même de la part d'une certaine opinion, y compris quelques esprits recrutés parmi les milieux intellectuels camerounais qui ne pensent pas que votre initiative serait la bienvenue, serait salvatrice aujourd'hui pour notre pays. Comment vous réagissez aussi à ce vent de panique aussi qui semble se dégager dans certains milieux? Mais ça, c'est le propre des Camerounais. On entend un discours, oh, il n'y a personne, il n'y a personne. Mais quand il y a quelqu'un, on le tape dessus. Donc, ça, c'est le problème des Camerounais. Et je pense que je vais m'en sortir dans cette question-là par un proverbe qui est d'ailleurs partout dans des villages africains. On dit que quand tu pars dans les champs, si tu veux reconnaître l'arbre qui a les mangues les plus sucrées, il faut regarder par terre. Parce que c'est là où il y a tous les cailloux. Donc, je pense que si je prends toutes les flèches et tous les cailloux, pour ainsi dire, et toutes les pierres, peut-être parce que je suis dans le vrai et que les gens qui aiment voir ce pays qu'on tourne en rond sont mis à mal. Tout ce que je peux le dire, que ça va s'empirer en ce qui les concerne. Et aujourd'hui, donc, vous dites, pensez pouvoir aller rencontrer les Camerounais exact, physiquement. Exact. Et vraiment, et ça marche déjà très bien. Je demande aux gens, il n'y a pas une structure précise, de créer des groupes de 50 personnes, 30-50 personnes, et n'est-ce pas rejoindre mon équipe, et j'irai là-bas vers eux, m'asseoir, discuter avec eux, dans leur maison, et dire ce que je propose. Je ne vais pas aller jusqu'à ce que je serai comme un témoin de Jéhovah, mais je vais aller en petit groupe à la rencontre des Camerounais qui vont me solliciter. Je demande toujours qu'ils écrivent. Il y en a beaucoup qui ont déjà écrit. Ils créent des petits groupes de 50, 30 personnes. Ils sont dans tel village. Je vais aller avec eux, vers eux. Ils vont me poser des questions. Je vais répondre. Et c'est ça le mouvement de NAR. Et c'est une tente qui est ouverte à tout le monde, à toutes les tendances. J'ai même certaines personnes qu'on pourrait appeler de politiques qui parlent déjà. Et je pense que c'est un mouvement que je pense rassembleur. Et qui va l'être, parce que je suis pris de court, je dois dire, par l'engouement que ça suscite. Et je comprends pourquoi les spécialistes de la stagnation sont aujourd'hui en pleine panique. Et pour y aller, vous avez au passage choisi d'abandonner quelques-unes de vos responsabilités sur le plan international. C'était quoi ce choix-là, finalement? Ben écoute, je pense qu'il faut pratiquer ce qu'on prêche. Et je ne voulais pas prendre des positions qui vont être confondues avec celles des associations. Déjà que on me traite d'être soutenu par tel ou tel autre pays, je ne sais pas où ils prennent ces informations, et je ne pense pas que je peux avoir ce langage camerounais sur notre problème de corruption en même temps que je dois gérer sur le plan international le International Anti-Corruption Conference, qui est une conférence
qui rassemble plus de 1500 délégués venant des chefs d'État, du secteur privé et de la société civile. Je ne peux pas confondre les deux. C'est un conflit d'intérêts. Ecobank est une institution camerounaise qui respecte les droits camerounaises, qui a une tutelle d'un ministre camerounais, qui est dans le gouvernement, qui a des autorités de tutelle et des surveillances camerounaises qui sont gérées par l'État camerounais. Je ne voudrais pas qu'une aventure personnelle puisse nuire à cette banque, qui est par ailleurs une banque panafricaine, que j'aime, c'est pour ça que je suis allé vers eux. Donc c'est pour vous dire que je ne voudrais pas qu'il y ait ce conflit d'intérêts-là, qu'on ne voie pas. Bon, vous me direz donc, et la Banque africaine de développement, qui est un établissement dont les États sont des actionnaires. Je suis dans un secteur très précis qui a fait avec la gouvernance et aussi la lutte contre la fraude dans les marchés que finance la banque. Je suis en train de parler avec la banque pour voir s'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Mais de toutes les façons, je suis plus porté à partir de là, avant la fin de l'année, à moins que la banque me dise nous ne voyons aucun inconvénient. Parce que vous savez très bien, je suis présent du panel de vérification de l'association, de la Fédération internationale des associations d'athlétisme. Donc le président est l'anglais Sébastien Cour. Le vice-président d'ailleurs, c'est le colonel Kalkaba. Je suis président du tout premier panel, d'ailleurs, de vérification, et qui traite de l'intégrité des gens qui veulent être élus ou bien nommés par cette association. Bon, j'ai parlé avec eux. Franchement, ils m'ont dit, nous ne voyons pas de conflit d'intérêts. Votre mandat, vous postulez, il faudrait qu'on annonce des élections, il faudrait que vous présentiez, il faudrait que votre candidat soit validé. Donc vraiment, parler maintenant de conflit d'intérêts, c'est... Très bien. Donc, on a compris, pour des besoins d'exemplarité, vous abandonnez quelques-unes de vos casquettes aujourd'hui. Exactement. Une campagne électorale, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'énergie, mais on a bien le sentiment que vous semblez avoir été pris de court, hein, dans le lancement de ce mouvement-là, vu les événements. Alors, avez-vous déjà pu constituer des équipes? Disposez-vous d'un réseau, que ce soit en interne ou bien à l'international aujourd'hui? Et peut-être en termes de financement aussi, avez-vous des possibilités de levée de fonds? Comment allez-vous pouvoir rassembler tous ces moyens-là pour aller à l'objectif? Je suis un avocat d'environ 40 ans, n'est-ce pas, qu'on me crédite avec quelques épargnes et quelques investissements, premièrement. Secondement, je veux faire de cette campagne le tout premier financé par le peuple. C'est la seule façon de connaître leur intérêt, la seule façon de les amener à s'engager, c'est la façon de les amener à surveiller pour que ce pourquoi ils ont payé ne soit pas volé. Ça veut dire quoi? On est en 2017, on n'est plus en 2011, ils ont des téléphones, je vais faire appel à eux, d'ailleurs ça va être lancé, 200 francs, c'est tout ce qu'il faudrait. Prenez votre téléphone, Orange Money, MTN, Money, 200 juste francs. 200 francs. 200 francs, c'est okay. Tout ce qu'il faut. Mmh. Mais c'est un titre symbolique ou bien c'est vraiment... C'est un titre pour permettre de voir l'engagement des Camerounais et ça peut financer. Ça, c'est ce que me disent mes conseillers. Je pense que 200 francs, c'est bon, pas plus. On vous prédit aussi quand même de disposer des financements à l'étranger. Est-ce que vous n'avez pas quelques réseaux en place? J'invite ceux-là d'aller regarder ce que disent les textes camerounais sur le financement venant de l'étranger. Ils vont être plus édifiés. Mais pour le moment, je me cantonne sur les moyens des amis. Il y en a plein d'amis qui vont déjà approcher et acquérir. Ce que tu fais, c'est courageux, c'est noble. On va t'assister. J'en suis reconnaissant. Mais le système sur lequel je vais me baser, c'est les citoyens. Je vais voir s'ils m'acceptent. Parce qu'en fait, ça va être ça le premier scrutin. C'est ça le premier scrutin. S'il y a une levée de fonds énorme, à 200 francs la personne, je pense que ceux qui planifient une fraude auront une explication à donner. Que ce monsieur qui a pu lever tel montant, ça veut dire tel nombre de Camerounais. Comment ça se fait qu'au moment du vote, c'est différent? Je pense que ce sont les défis que nous allons tous relever. On est en 2017, on n'est pas en 1917. Est-ce que vous n'envisagez pas une forme de coalition? Oui, certainement. J'ai parlé de cette ouverture-là. D'emblée, je vous dis,
je ne serai pas candidat indépendant. Parce qu'être candidat indépendant veut dire qu'on ne peut pas faire avec les autres. Donc, de ce côté-là, il faut qu'on l'oublie. Donc, vous devez adhérer à un parti politique, forcément. Je ne dois pas adhérer. Je dois être présenté par un parti politique. C'est ce que dit le texte. Donc, j'entends et j'espère être présenté par des partis politiques qui décident. Et je dois aussi dire, dans le même ordre d'idée, si les partis politiques se mettent ensemble, m'invitent et me disent « voilà la personne que nous voulons, voilà ses options, et nous pensons que selon tel critère, il est à même de porter le mandat, nous vous invitons à vous joindre à nous », je le ferai. Ça, c'est un combat pour un objectif, pas le combat pour une personne. Et de ces partis politiques dits de l'opposition au Cameroun qui ont accompagné la longue marche de notre démocratie ou de notre démocratisation, quelle est la perception que vous avez de leur action, autant qu'ils sont ces partis différents de leurs idéologies avec leurs différents leaders? Je pense que beaucoup de ces partis ont fait preuve de naïveté. Ce qui a fait que le Cameroun ait raté son rendez-vous avec l'histoire. Les premières élections législatives multipartites donnaient les partis politiques majoritaires à l'Assemblée nationale. Comment se fait-il que le pays n'a pas changé? Par le fait des uns et des autres de penser à eux-mêmes avant l'État. Constitution de 1996. On parle de la limitation des mandats. Ils étaient tous contents. Mandat limité, après 14 ans, le président Biya s'en va. Il était tellement content et pressé pour que les 14 ans arrivent que personne n'a regardé le texte qui disait que par simple majorité, on peut changer la Constitution. Donc c'est une naïveté dont ils ont peu fait preuve. C'est pour ça qu'en 2008, quand on a changé cela, on m'a posé la question, je dis qu'ils n'ont qu'à, n'est-ce pas, s'en prendre à eux-mêmes. Ils devaient regarder la Constitution et s'assurer que cette clause, pour eux qui était essentielle, soit protégée. Donc, à mon avis, ils ont fait preuve de naïveté. Et cette incapacité de présenter un candidat unique m'a toujours surpris. Mais cette fois-ci, on va faire avec. Parce que le peuple, lui-même, va choisir son candidat unique en votant pour la personne qu'ils estiment être le candidat unique. Vous parlez beaucoup de peuple tout au long de cet entretien. Est-ce que vous voyez le Cameroun connaître un scénario un peu à l'image de ce qui se vit au Togo ces derniers jours ou encore ce qu'a connu le Burkina Faso et même, pourquoi pas, le printemps arabe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, un ras-le-bol peut s'exprimer au Cameroun de la part de ce peuple-là. Oui, je pense que... Qui pourrait descendre dans la rue. Voilà, je pense que 2018, c'est à l'occasion de ceux qui gèrent la chose publique, de savoir qu'ils n'ont pas le droit de frustrer le peuple dans leur choix. S'ils le font, ils auront affaire avec le courroux du peuple. Voilà, mais sauf que le pouvoir dispose des moyens légaux également qui lui permettent de réprimer un tout petit peu, je veux dire, toute forme de le pouvoir disposer le pouvoir de disposer le même arsenal au Burkina, le pouvoir disposer de ce même arsenal en Égypte, le pouvoir disposer de cet arsenal en Tunisie. Donc je pense que ce n'est pas cela, il ne faut pas tout avoir. L'armée est constituée des Camerounais. Un Camerounais dans la mer aujourd'hui va se demander comment ça se fait que moi je suis sergent aujourd'hui. Je suis entré le même jour avec le prochain. Et je me retrouve 10 ans après, lui il est lieutenant, il est colonel, moi justement sergent-chef. Le fonctionnaire qui est dans l'administration publique doit se demander comment quelqu'un que lui-même a formé comme stagiaire dans son département se retrouve aujourd'hui, 10 ans après, son patron. Le soldat, comme n'importe qui, a le droit de savoir quel est le profil de carrière, quelles sont les étapes que je choisis, comment est-ce que je peux être promu, qu'est-ce que je veux faire pour avoir des galons, est-ce que c'est pour travailler plus ou c'est pour connaître le colonel. C'est ça le truc. Donc il faudrait absolument qu'il y ait un système qui permet à tous les gens qui travaillent de pouvoir progresser. Justement, parce que l'ascenseur social est bloqué au Cameroun, toutes les formes d'injustice auxquelles on assiste, qu'est-ce que vous préconisez à l'intention, par exemple, de cette jeunesse qui est étranglée par le fléau du chômage? Ça, c'est le plus simple. Ouais. Il faudrait que le travail
soit récompensé. C'est pas un peu démagogique de le dire comme ça, que c'est plus simple? Non, mais c'est démagogique. Parce que même dans les pays occidentaux, on n'a jamais vraiment réussi à juguler le chômage. Je vois les choses différemment. Oui. Je vois les choses différemment. Nous avons un pays où des fois, on a l'impression que c'est les médiocres qui avancent. On a l'impression que c'est les médiocres qui avancent. Et ça, c'est pas bien. J'ai déjà posé la question. Quand les lions indomptables viennent d'une tournée, c'est bien de les amener au palais, voir le président, monter la coupe, fêter. Qu'est-ce qui empêche que, fin d'année scolaire, on nous amène par province 10 bons élèves, 10 bons étudiants, qui ont vraiment très bien travaillé au palais de l'unité, qu'on dit, mais voilà les jeunes Camerounais qui ont bien travaillé. Votre fils, comme le mien, ils vont regarder que l'année prochaine, moi aussi, je vais être au palais de l'unité. Très bien. Un des sujets assez lancinants de l'heure, le Cameroun, et ça c'est l'un des échecs du renouveau, tout le monde en convient, n'a pratiquement plus de route. Maître Akeremouna, que ce soit le réseau urbain ou interurbain, il est difficile désormais de circuler avec des séries d'effondrements et des nids de poules et autres nids d'éléphants. Avez-vous une solution? D'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé là vraiment en une, deux minutes? Mais écoute, on en est arrivé là par la négligence et par le vol. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas mâcher les mots. Et je trouve désastreux et triste que les deux plus grandes villes de notre nation ne soient pas liées par une autoroute. Et je suis aussi triste qu'on n'a pas une route qui importante qui lie le Cameroun au Tchad et à Centrafrique. Pourquoi? Parce que toutes leurs marchandises passent par notre pays. C'est pour nous un atout. Comment pouvons-nous valoriser notre port et avoir plus de commerce sans ces axes-là? Donc l'infrastructure, dans mon programme, est essentielle. J'ai parlé de la justice, parce qu'il faut, quand on voit les investisseurs étrangers, la première chose qu'ils reprochent au Cameroun, c'est l'insécurité judiciaire. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas investir. Le tourisme, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne pense pas qu'on n'a pas besoin d'un ministre de tourisme. On a besoin, peut-être, d'un commissaire, mais le tourisme doit être quelque chose de décentralisé. Il faut que les gens gèrent ça à leur niveau par un conseil peut-être lié à la municipalité ou bien à la région autonome ou bien à l'État fédéré. Et justement, parlant de ministère, on en a une bonne soixantaine et assimilée. Une équipe gouvernementale qui serait bien pour le Cameroun serait constituée de combien de personnels? Mais écoute, je ne vais pas parler de l'avance parce qu'il y a des choses qui vous dire. Mais je peux vous dire que ça doit être constitué de au moins la moitié. Mais ça, c'est clair. Je pense que 60 ministres là, ça commence à être autre chose, ça commence à être plus comme des systèmes de récompense de certaines personnes. C'est impossible, n'est-ce pas, d'avoir l'enseignement en trois parties, d'avoir un ministre de tourisme et on se demande ce qu'il fait. Il gère les hôtels, mais quand même. Voilà, Maître Akeremouna, on va vous remercier de nous avoir accordé cet entretien. Mais c'est moi, c'est voilà. Moi. Mais en une minute et demie, vous vous regardez droit à la caméra pour dire... pour quelles raisons est-ce que les Camerounais devraient croire en vous aujourd'hui et deux ou trois choses sur lesquelles vous pourriez insister au cas où vous êtes porté à la tête de l'État camerounais? Berchet, compatriote, vous avez suivi tout le long de cet entretien ce que je pense, ce que je propose, ce que je pourrais faire. Pour la première fois ou pour une autre fois, vous aurez la chance, l'année prochaine, d'élire un président. Vous, le peuple. Pas un président qu'on a choisi pour vous, mais un président que vous-même vous choisissez. Vous avez les moyens de le faire. La première chose, dès janvier, c'est de s'inscrire. À ce qui me concerne, j'invite tous les Camerounais, sans distinction, de nous rejoindre dans le mouvement noir. Not now. Et de parler à tout le monde, aux voisins, à la famille, de vous rassembler et de nous faire signe pour que nous venions parler de la République que nous appelons de notre vœu. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est remercier ceux qui ont bien voulu parler avec moi et vous rappeler que le changement, c'est now. Et comme ça, on irait vers une nouvelle République. Je vous remercie. Merci bien, c'était donc en exclusivité sur Equinox Télévision, Maître Akeremouna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, bénéficiant d'une stature nationale et internationale presque sans pareil. Oui, il faut bien le rappeler, ses états de service
plaide en sa faveur. C'est la toute première véritable candidature jugée sérieuse dans la course à la présidentielle 2018. Il a voulu délivrer sur notre antenne quelques-unes des lignes directrices qui font de son action aujourd'hui. Vous aurez donc la possibilité de vous faire votre propre jugement. Equinox Télévision sera là pour ouvrir ses antennes à toutes les autres personnalités qui, sur la place, auraient des choses à préconiser. Donc, merci de nous avoir regardés. Excellente suite des programmes, avec la contribution également de toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce programme spécial. Pensait que bon, Frouni n'a pas gagné parce qu'il était anglophone. Résultat, la montée du mouvement anglophone. Ils ont fait l'anglophone, All Anglophone Conference. Je viens à répondre à votre question. Et il y avait donc cette montée. Et l'aboutissement de cette montée de ce sentiment anglophone était une demande vraiment très forte pour le fédéralisme. Une demande que l'État a très vite décerné et proposé en contre une décentralisation avec des régions autonomes. On est en 96 quand la Constitution sort. De quoi on dit bon, mais voilà, on va voir comment ça va marcher. 96 à aujourd'hui, 21 ans, rien ne s'est passé. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir confiance à un gouvernement qui par ailleurs exécute d'autres programmes avec une célérité qu'on avait. On va revenir tout à l'heure sur les préconisations qui sont les vôtres. Donc, c'était pour dire, en sortant de là, que les solutions au plan endogène ne peuvent plus prospérer. Donc, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a une perte de confiance entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Ce qui fait qu'ils pensent que s'il y a un arbitre, les choses pourraient se passer différemment. Mais moi, je pense qu'on a encore une chance. C'est pour ça que je propose ce que j'appelle un dialogue horizontal entre les citoyens. Il y a un groupe avec le docteur Monzo qui propose ça, qui veut que les citoyens parlent entre eux. Je pense que d'ailleurs il y a le docteur Bedzigui Célestin qui parle aussi de ça, ce dialogue horizontal, qu'on laisse les Camerounais discuter entre eux-mêmes et comprendre ce qui est bien et proposer au gouvernement voilà ce qu'il faut. Mais du moment où vous avez des personnes qu'on a vues ne possèdent aucune légitimité. Alors, aucune. Qui ne sont pas respectées par le peuple. D'aller diriger ce dialogue-là, c'est perdu d'avance. Maître Akeremouna, il reste donc que c'est dans ce contexte de crise exacerbée que vous choisissez finalement de faire votre déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2018 sous la forme d'abord d'un discours à travers les réseaux sociaux, toute chose qui vous aura été au passage reprochée, puisque dans la suite également, interview dans un journal français, les Camerounais n'ont pas compris pourquoi avoir opté pour le choix de médias étrangers avant de revenir leur parler à travers la presse nationale. Bon, si ceux qui ont regardé, n'est-ce pas, l'article de Jeune Afrique, ont vu que sous la photo, on a marqué la date. En fait, la photo a été faite à Yaoundé 4 octobre, je pense. J'ai donné... Jeune Afrique était ici pour un reportage normal sur le Cameroun, sur le problème anglophone. Et il est venu me rencontrer au moment où j'étais en train de préparer ma déclaration que j'ai faite et que j'ai lancée à partir du Cameroun. Donc, ils ont eu la chance de pouvoir saisir l'opportunité. Et je pense que c'est vraiment un procès d'intention. Voilà, c'est à l'étranger, pour le simple fait qu'on est dans un monde global aujourd'hui. Jeune Afrique a été opportuniste, c'est le cas de le dire. Ils étaient là quand je travaillais sur la déclaration et je l'ai avoué sans embâche. Donc je ne pense pas que ça devrait être pris comme cela. Et j'avais un problème de calendrier. Tout de suite après, j'avais trois réunions. J'avais deux réunions à Londres, un avec le comité Bou Ibrahim,
l'autre pour participer à un comité restreint sur les réformes sur l'Union africaine. Puis par la suite, je partais à Berlin pour l'Assemblée générale de Transparency International. Et je devais aussi déposer ma démission de International Anti-Corruption Conference. Donc, c'est cela. Et j'étais en transit à Paris, et votre confrère, il y en a qui sont venus me voir pour l'interview que j'ai fait. Mais il faut aussi remarquer que le lendemain de mon arrivée, je suis arrivé à Yaoundé dans la nuit, je pense, de mardi. Je suis arrivé chez moi à 22h. Et le lendemain, à 9h du matin, j'ai rencontré la presse nationale pour réciter les choses. Donc voilà, je pense que c'est une histoire de déprétation, pas de choix. Pour revenir donc sur cette déclaration, vous dites « Ensemble, marchons vers une nouvelle République ». Pensez-vous que l'avènement de cette nouvelle République est possible dans le contexte actuel? Avant de revenir sur vos motivations essentielles, je veux parler du contexte politico-électoral. On sait que Elections Cameroun est presque adossé sur le pouvoir en place. On sait que toute l'administration centrale également être plus ou moins proche du parti au pouvoir. On n'a même pas encore de visibilité sur ce calendrier de 2018 aujourd'hui. Donc la nouvelle République que vous appelez de tous vos voeux, elle pourra arriver sous quelle forme? La volonté du peuple. Oui. C'est simple. La volonté du peuple. Si vous avez écouté mon discours, j'étais clair. J'ai dit que nous n'avons plus peur. C'est que nous ont endormis. Ils doivent savoir qu'on est réveillés. Moi, je passe... place mon action au centre et ça va être tracté par la volonté du peuple. Et je ne pense pas que notre machine électorale a déjà eu à gérer la volonté du peuple. Volonté du peuple, vous rappelez, pardonnez-moi, que le Cameroun n'a vraiment jamais pu élire son président au premier mandat. Donc aujourd'hui, vous pensez que tout cela est possible. Moi, j'insiste sur le caractère un peu vicié du processus électoral. Nos élections ont toujours été presque toutes contestées, avec beaucoup de combines à l'intérieur. Et c'est pour cela que certains jeunes leaders, comme Cabral Libi et bien d'autres, comme les gens du SDF, ont d'abord appelé à la révision du code électoral. Je pense que appeler à la révision du code électoral maintenant peut constituer une distraction. On est à moins d'un an de la convocation du collège électoral. Donc, ça doit se faire au moins 90 jours avant. Donc, je pense qu'on est juillet, il faudrait convoquer. Donc, c'est peut-être 9 mois, on est là. Moi, je pense que, puisque vous parlez de Cabral Libi, il a vu juste, le président a élu la dernière fois 1, 2, 3 et 4 millions de voix. Mais il y a combien d'électeurs, en fait? Entre 12 et 15 millions d'électeurs. Qu'est-ce qui se passe avec les autres qui n'ont pas voté? Donc je pense que le peuple doit comprendre qu'il a le pouvoir de choisir son leader en s'inscrivant et en votant. La meilleure machine contre la fraude, c'est le vote massif et la volonté du peuple. Ils l'ont appris en Gambie, donc c'est le grain de neuf. Ceux qui pensent qu'ils ont des textes qui permettent de produire le résultat qu'ils veulent, doivent s'apprêter aussi pour une surprise que va le fournir le peuple. Voilà, le peuple, l'alternance. Sur les dernières élections, dans le début des années 92, vous déclarez mercredi dernier à Yaoundé que le leader du SDF, vous le pensez, de façon péremptoire, a bel et bien gagné l'élection de 92. Est-ce que vous pouvez le redire avec toute la certitude du monde pour qu'on puisse le retenir ainsi? Je vous ai dit à l'entame de ce programme que j'étais dans l'équipe qui était chargée de compter les voix. Les voix qui nous sont parvenues, venant des bureaux électoraux, que j'ai eu à additionner, donner John Fundi gagnant. Il faut que cela soit clair. Première chose. Seconde chose. Avec cette conviction, j'ai saisi la Cour suprême en annulation, avec les preuves à l'appui. Les dirigeants du SDF, pour des raisons qu'ils maîtrisent mieux, ont décidé de retirer ce procès. Le président de la Cour suprême, aujourd'hui retraité,
un juriste que je respecte a dit qu'il aurait pu examiner la requête de SDF qui semblait être le plus sérieux, mais cette requête avait été retirée. C'est lui qui ne permettait pas de l'examiner. Donc, et un troisième élément qui relève un peu de qui est carrément anecdotique, c'est ce que nous avions entrepris à l'époque, d'annoncer tous les jours les résultats reçus par des pages. On n'avait pas l'Internet à l'époque, donc on avait l'espèce de document qu'on distribuait, les gens se tassaient devant le bureau pour avoir ces feuilles-là, avec les résultats du jour, qu'on faisait annoncer par une presse privée qui était très voyante à l'époque d'ailleurs. On faisait annoncer ça. Et puisque c'était la première fois qu'on avait ce genre d'élection, j'avais sorti les fiches des dernières législatives pour que les jeunes volontaires qui étaient dans le bureau puissent mettre les résultats circonscription par circonscription. Donc, ils avaient les chiffres des dernières législatives. Mais à côté, donc, ils mettaient les résultats. Soudainement, le ministre de l'AT trouve qu'il fallait absolument donner des résultats aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui aussi commencé à donner des résultats que nous étions obligés de comparer avec les nôtres. Mais un jeune gars, je crois, de 22 ans, qui était en fac de droit en statistique, faculté de statistique ou mathématiques, est venu me voir 2 ans après. Il dit qu'il y a tout ce qui ne va pas. J'ai quoi? Il dit, mais les chiffres que j'ai là, que je note, sont les mêmes chiffres qu'on avait au législatif. Et j'ai comparé, extraordinaire, c'était cela. Je suis allé trouver un journaliste à l'époque de Libération, M. Stephen Smith. Je suis allé le trouver à Hilton. J'ai dit, voilà des résultats que l'État est en train d'annoncer à la radio, et voilà des résultats des législatives. C'était pareil. Ce qui a amené RFI à interroger le ministre de la Communication de l'époque, le ministre Conchou, Dr. Conchou, professeur agrégé, qui a dit que c'était une erreur. Bienvenue, madame, messieurs. Nous sommes sur Equinox Télévision. Nous sommes en 2017. Le Cameroun, au-delà de sa propre histoire aujourd'hui, qui peut être interprétée de plusieurs manières, à travers des heures difficiles de l'actualité de l'heure. Vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui se déroule dans le cadre de la crise dite anglophone aujourd'hui. Nous sommes la veille d'une année électorale très importante au Cameroun, l'année 2018, où sont prévus un ensemble de scrutins. Jusqu'ici, on a assisté à des déclarations de candidature les unes comme les autres, jusqu'à ce qu'intervienne il y a quelques jours la sortie de l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, bien connu sur la scène internationale, jusque-là membre de la société civile. Sa déclaration de candidature sous la forme également de la mise sur pied ou alors plutôt du lancement d'un nouveau mouvement vers la création d'une nouvelle république, intervient donc aujourd'hui pour apporter une solution. Il dit vouloir être la solution vu les périodes difficiles que connaissent ses compatriotes. Merci de rester avec nous. Nous avons la chance et l'exclusivité de recevoir dans ce programme Maître Akeremouna. Bienvenue, bonjour. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Voilà, on va peut-être commencer, puisqu'il y a une idée reçue selon laquelle très peu de Camerounais aujourd'hui vous connaissent mieux. Est-ce que vous partagez cette opinion? Vous n'êtes pas encore très bien connu de vos compatriotes? Mais je pense que je suis plus ou moins connu. Vous avez dit société civile, ça veut dire que je mène une vie qui m'a amené à côtoyer, n'est-ce pas, le citoyen camerounais depuis mon inscription au barreau, depuis mes activités comme bâtonnier. Et en fin de compte, à travers mes activités dans Transparency International, je pense que je suis plus ou moins connu. Évidemment, il est vrai qu'il y a peut-être de plus jeunes qui ne me connaîtraient pas vraiment. Et aussi, certaines personnes qui feignent clairement de ne pas me connaître.
Peut-être sur le plan de la politique dite politicienne, vous vous êtes gardé jusque-là, finalement, de vous y engager. Alors, la question, elle est toute simple aujourd'hui. Pourquoi maintenant, vous avez des éléments qui vous ont amené à vous jeter à l'eau dans la bataille? On a parlé d'un certain opportunisme. Comment vous réagissez à cette perception qu'ont une bonne majorité de Camerounais aujourd'hui dans le cadre de votre déclaration? Bah écoute, une bonne majorité ne sait pas, mais ce que je dois vous dire d'ores et déjà, c'est quoi? C'est le fait que dire que je commence maintenant, c'est pas exactement vrai. Pendant la création du SDF, j'étais un des personnes qui ont rédigé les statuts. Pendant les campagnes de 92, j'étais dans le bureau, le directeur de campagne, et j'étais chargé de collater les résultats. Et dans les procès électoraux qui ont eu, bah, j'étais très actif. Comme membre de Transparency International, que j'ai fondé moi-même, j'ai eu à observer et aussi à faire un rapport sur les élections. Donc, je n'ai pas été très loin de la chose politique. Donc, dire que je viens maintenant, c'est mal me connaître. Et comme vous avez dit, sur le plan international, j'ai eu à observer les élections dans plusieurs pays. Et aussi, j'ai fait partie du mécanisme africain d'évaluation entre les peuples, qui le fait que l'évaluation des pays, sur le plan d'entreprise, économique, sociale et politique, le fait que ça. Donc vraiment, je pense que c'est de quoi je parle. Pourquoi maintenant? Maintenant, parce que notre pays est à la croisée des chemins. Et c'est le devoir de tout citoyen de voir comment il peut faire pour aider la situation. Et en ce qui me concerne, je pense vraiment que je rassemble une expérience qui me permette de me positionner comme faisant partie de la solution, avec beaucoup d'autres Camerounais. Donc c'est là le point de départ. Opportunisme, on peut le dire, mais je dis toujours que l'opportunisme a deux éléments. Premier élément, c'est l'occasion dans l'opportunité. Second élément, c'est les principes. Alors, dans le sens péjoratif, celui qui viole ses principes pour saisir une opportunité, on pourrait traiter d'opportuniste. Mais en ce qui me concerne, c'est vraiment ces valeurs-là, ces principes sur l'éthique, la morale, la lutte contre la corruption et la gouvernance. C'est ce que j'ai fait pendant plus de 20 ans. C'est justement ces principes-là qui renforcent ma détermination. Donc, opportunisme, je ne sais pas. Voilà. On va revenir sur les fondements qui guide votre motivation, mais un petit retour dans l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore méconnues des Camerounais. Sur le rôle joué par les pères fondateurs du Cameroun, parmi ceux-ci, monsieur votre père, de solide réputation, durant les années 60-61, quel aura été le rôle que ce dernier, Salomon Tandé Mouna, aura joué pour que on en soit aujourd'hui à penser que maître Akere Mouna, 60 ans plus tard, serait en train de vouloir trahir son père, la mémoire de son père? Mon père était dans le parti qui luttait pour la réunification, donc le parti du docteur John Goufoncha. Il a joué son rôle à cette époque-là, dans les années 60 et 61. Et je pense que, avant son départ de ce monde, il a positionné, il s'est positionné, il a dit ce qui était leurs attentes. Il a clairement dit, d'ailleurs avec le docteur Foncha, qu'il y a eu des déceptions. Donc, dit qu'il a, je trahis sa mémoire, c'est mal connaître son histoire. Cela étant dit, c'est très facile aujourd'hui de juger les actes posés à l'époque avec le parcours que le Cameroun a connu depuis. C'est très facile de tenter de refaire l'histoire en donnant des situations différentes. Hein. C'est comme jouer un match le lundi quand le score est sorti dimanche. Et on connaît ce qu'il ne fallait pas faire, qui devait être joueur, qui ne devait pas être joueur. Ça, c'est cela. Donc je pense que c'est cette facilité-là que les Camerounais ont aujourd'hui. Mais je pense que aujourd'hui où nous sommes là, ceux qui veulent trouver la solution dans l'histoire et dire qui a fait quoi, dit qui n'a pas fait quoi, je les laisse gérer cela.
ce qui me concerne maintenant, c'est l'avenir. Quelles solutions nous pouvons apporter ensemble pour améliorer l'avenir de notre pays et les Camerounais. C'est justifié de connaître son histoire, mais ce n'est pas justifié d'en faire un pèlerinage constant. Mais tout de même, pour sortir définitivement de ces questions d'ordre historique, Maître Akeremouna, est-ce que on peut dire en 2017 que essentiellement ou alors majoritairement les Camerounais étaient pour l'unification, pour le renforcement de l'unité nationale aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à l'époque, je peux vous dire sans embâge que les Camerounais appelaient de tout cœur, n'est-ce pas, la réunification. La seule preuve, en pays démocratique, c'est les élections. Il y a un plébiscite et les Camerounais anglophones ont opté pour la réunification. Donc, c'est la seule façon de juger la volonté des Camerounais. Bon. Est-ce qu'il y a eu la bonne voie par la suite? Je ne pense pas. Par certains qui avaient d'autres idées derrière la tête. Mais je dois dire que à la date d'aujourd'hui, la gestion de cette diversité, les transformations que notre Constitution a connues m'amènent à dire que il y avait presque une volonté par certains de subjuguer d'autres. Et je pense que tous les Camerounais aujourd'hui se rendent compte que il y a des choses qui ont été faites qui ne devaient pas être faites. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'il fallait demander pardon. Je n'en suis pas là. Mais je dis que on a une grande chance. Et cette chance-là, c'est l'avenir. Et c'est notre seule chance de réparer ce qui s'est passé. C'est l'avenir. En regardant derrière, on n'y peut rien. Très bien. Alors, revenons donc sur le cas de la crise dite anglophone. Vous avez récemment déclaré que si nous en sommes aujourd'hui à cette forme de radicalisation, c'est bien parce que les gouvernants au pouvoir n'ont pas su gérer le problème lorsqu'il a été déclenché et qu'aujourd'hui, finalement, on peut comprendre qu'il y ait ces velléités, ces montées liées au séparatisme, finalement. Vous êtes plus clément que moi quand vous dites qu'ils n'ont pas su. Ils ne savent pas la gérer. Puisque la crise continue. Donc, est-ce qu'ils ne savent pas ou ils ne pensent pas que c'est un problème? Parce qu'au début de cette dernière vague, parce que je dis, ceux qui me lisent savent que ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dénoncé par un document en 95. En ce qui concerne l'OADA, je l'ai écrit par un document qui date de plus de 18 ans. Bon, c'est pour ceux qui découvrent cette situation de marginalisation des anglophones, puisque je mets d'accord, savent que quand ça a démarré, beaucoup de gens ont dit qu'il n'y avait pas ce problème, que c'était inexistant. Mais au fil des mois, on reconnaît certains pans, on en est arrivé où il y avait une cérémonie où on remettait, n'est-ce pas, les textes au WADA dans une cérémonie traduite. Et moi, quand j'ai vu ça, je l'ai déjà dit, j'étais vraiment quand même choqué qu'on fasse cas et qu'on fasse une publicité autour du fait que on traduit un texte en anglais dans un pays où on dit que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Ça veut dire que une bonne partie des Camerounais était gérée dans un cadre juridique sans avoir accès au texte. Alors justement, lorsque la crise éclate, on se rappelle, vous faites bien de nous le rappeler à votre tour, que c'est bel et bien partie du corps des avocats auquel vous appartenez. Donc on peut très logiquement les présenter aujourd'hui, ces avocats-là, anglophones peut-être essentiellement, comme ayant été les allumeurs, les pyromanes aujourd'hui. Quel est le rôle qu'ils peuvent apporter, les avocats camerounais, plus globalement aujourd'hui, pour nous aider à sortir de là? Pyromane, je ne sais pas. Je ne pense pas que les avocats le sont. Si vous repartez un peu derrière dans l'histoire du Cameroun, le privé qui a tracté l'économie, même jusque-là, on le fait à tâtons. Il y a beaucoup de choses qui tentent toujours, comme vous avez dit vous-même, d'affirmer la force de l'État. Quand ce n'est même pas nécessaire. Quand ce n'est même pas nécessaire. Donc je pense que depuis 1984, il y a eu cette mutation dans le comportement du président et la gestion de la République. Très bien. Alors, vous lancez le mouvement Non, on en arrive. D'où est partie l'idée
Et qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement à connotation politique disposant de la personnalité juridique ou alors c'est juste un appel à un rassemblement de toutes les personnes qui seraient intéressées? Oui, ça, c'est un appel à un rassemblement. Un appel qui porte en même temps l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Si nous étions encore malades, je dirais qu'on est dans la salle d'urgence. Je dirais que il faut rapidement, maintenant, voir venir cette nouvelle République. Qui va prendre en compte le changement dans la démographie? La jeunesse est majoritaire. Qu'on prenne en compte les femmes quand même. Les femmes sont à 50%, ou même au-delà, plus de 50%. Mais je pense que les droits de femmes sont vraiment lésés. Je le dis tout le temps, on ne peut pas imaginer que notre pays a qu'une seule ambassadrice. Qu'une seule. Vous regardez même les dernières élections qu'il y avait au niveau de l'Union africaine. Je crois qu'on a fait 8 ou 9 candidats. L'Union africaine prône la parité. 5-5, 2-2-1-1. Nous avons envoyé une liste de 9 candidats où il n'y avait qu'une seule femme. Donc, je pense qu'il faut voir. On parle de la jeunesse. Comment on peut gérer sans prendre leur avenir en compte? Un membre du gouvernement m'a raconté une histoire selon laquelle ils étaient dans une réunion et un de ses collègues a dit, mais on parle de 2035. Est-ce que toi et moi, on va être là? Pourquoi on nous embête avec l'histoire de 2035? Bon. C'est un peu cela. Je pense que il faut donc, à cause de la démocratie, ça urge de voir les dirigeants qui sont en phase avec ces évolutions-là. On parle de l'ère de la numérisation. Là-dessus, nous freinons. Vraiment, nous freinons sur des choses basiques. Le péage, le côté foncier, les permis de conduire, la consolidation des différentes listes qui ont les mêmes bases, les actes de naissance. Ça veut dire que je suis convaincu désormais que ce freinage-là, c'est exprès. C'est parce qu'on est bête, parce que partout dans le monde, les Camerounais excellent dans ce côté. Si vous partez à Silicon Mountain, vous allez voir des jeunes Camerounais incroyablement intelligents dans le secteur. On a même eu un jeune de 17 ans qui a gagné le prix de Google. Donc je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites. Mais pour répondre plus concrètement à votre question, il faut absolument, maintenant, qu'on ait une politique qui est au centre du peuple et son développement. Et vous avez dans votre déclaration rappelé que vous disposez bel et bien, vous, à Kérémouna, de connaissances suffisamment pointues aujourd'hui en matière d'évaluation de la gouvernance. Et l'une des choses qui ont longuement freiné le Cameroun, c'est bel et bien au niveau de la lutte contre la corruption. Et vous êtes un des acteurs majeurs de Transparency International et jusque-là, même de votre temps, malgré toutes les dénonciations qui avaient été faites, le Cameroun n'a vraiment pas pu renverser la donne en matière de corruption au Cameroun. Comment pensez-vous pouvoir, seulement si vous êtes chef d'État aujourd'hui, que la Pas du tout, corruption peut retourner, pas du tout. diminuer? On a un problème systémique. Ouais. Donc, on peut réparer et agir sur les symptômes, mais tant qu'on ne change pas le système. Si vous parlez du problème foncier, les fraudes en matière foncière disparaissent avec l'informatisation. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les cartes d'identité et les passeports. Ce que ça donnait comme agonie à beaucoup de personnes qui avaient plusieurs identités. Il y a beaucoup de secteurs. Qu'est-ce qui fait de sorte qu'un responsable qui part à part à l'étranger en mission ne part pas avec une carte de crédit? Pourquoi doit-il partir avec tout un sac bourré de billets de banque? On ne sait plus à l'époque. Donc je pense qu'on a un problème systémique qui est. Qu'est-ce qui se fait que pour aller au Rwanda, vous et moi, on peut décider aujourd'hui, on va sur l'ordinateur, on remplit les fiches et on prend l'avion, on arrive là-bas, on paye, je crois, 50 dollars ou 25 et on entre avec le visa. Pourquoi? Simple péage au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des gens là en train de. Quand il y a des systèmes qui permettent. La manipulation des fonds. Oui, justement, Oui. c'est ça. Et je pense que c'est cela. Il faut éternellement qu'on se retrouve
avec des caisses et des caisses de billets de banque. Voilà, donc vous dites aujourd'hui aux Camerounais, Maître Akeremouna, si vous êtes aux affaires, vous avez la formule magique pour nous éloigner définitivement du fléau de la corruption. Maintenant, pour rendre l'atmosphère, et là j'emprunte au président Kagame, tolérance zéro. Ce n'est pas parce qu'il y a les prisons et les tribunaux qu'il n'y a pas de voleurs. Mais ça veut dire que si vous amusez, si vous vous attrapez, le président Kagame l'a dit lui-même, il dit Maître Bouna, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas la corruption au Rwanda, mais si on vous attrape, mon frère, mon cousin, quelqu'un de ma famille, il n'y a pas de discrétion. Vous allez passer. Donc, ce qui fait qu'au Cameroun, je dis toujours quand dans mes discours que je ne connais pas un pays en Afrique où vous trouverez un premier ministre, un secrétaire général à la présidence, des hauts dirigeants de pays en tôle. Mais aussi, il y en a aussi dehors, qui donnent l'impression que ceux qui sont dedans, ce n'est pas une discrétion. Et ça, on peut pousser ça plus loin. Parce que les Camerounais disent même que ceux qui sont dedans, là, c'est parce qu'ils ont cherché à prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils disent indirectement? Que si au Cameroun, là, vous pouvez voler autant que vous voulez, tant que vous ne touchez pas à la politique. Si vous le faites, c'est à un moment qu'on vous prend. Et ça, c'est dangereux. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un état de droit qui permet à tout le monde d'être logé à la même enseigne. Très bien. Alors, on va revenir, restons dans les éléments de motivation de votre déclaration. L'actuel président du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, qui est un de vos amis, si je peux me le permettre, lors de la cérémonie, c'est une anecdote, vous le confirmez, vous infirmez, de son investiture à laquelle vous avez pris part à son invitation. Il vous aurait demandé à quand votre tour pour le Cameroun. Bon, écoute, c'est un, il est avocat comme moi, je le connais depuis de longues dates. Bon, je pense qu'il a dit dans ce cadre-là, je ne voudrais pas lire dans ses déclarations quelque chose autre que ça, mais votre confrère Jeune Afrique en 2009 avait dit à Akeremouna, successeur possible et même probable. Justement, pourquoi vous, revenons sur cette question essentielle, pourquoi pensez-vous être l'une des solutions aujourd'hui? Parce que d'aucuns trouvent que c'est un peu prétentieux de votre part, Maître Akeremouna, d'arriver comme ça, vouloir être à la tête d'un État comme le Cameroun. Vous trouverez prétentieux de prétendre un concours pour passer? Parce que vous pensez que vous avez la capacité, vous direz à quelqu'un qui veut être commissaire qu'il fait le concours, il est présomptueux, qu'est-ce que vous demandez d'être commissaire? Je pense que j'ai rassemblé des connaissances qui me permettent de faire cela. Je l'ai fait dans un autre cadre, je vois les problèmes qui se posent, j'ai proposé des solutions, je pense que j'ai la formation, je trouve l'élection comme un concours. Et c'est au peuple de décider si j'ai la capacité de le faire. Et j'estime, il faut d'abord savoir se connaître. Et je pense que j'ai la capacité de le faire. Et je pense aussi que je suis à même de convaincre les Camerounais. Et je pense que je le ferai pour les convaincre que je suis à même de une solution aux maux que nous avons. Et si c'est ça la prétention, ben soit. Très bien. Et parmi vos atouts, effectivement, on évoque le fait que vous soyez plutôt parfaitement bilingue aujourd'hui. Est-ce que vous adhérez à la thèse selon laquelle il faudrait, à la suite de deux présidents d'obédience francophone, qu'un anglophone puisse arriver finalement au pouvoir? Est-ce que vous ne surfez pas un peu autour de cette idée-là qui commence à être bien entretenue aujourd'hui, vu le contexte également? Exactement. C'est très bien posé. Mais je pense qu'il faut voir les problèmes là, comportement par comportement. Il est normal que l'anglophone s'interroge que depuis avant près 56-57 ans d'indépendance, est-ce qu'il faudrait dans cette république que la première personnalité anglophone soit dans la cinquième position? Dans la répartition des postes de l'État, justement, vous pensez que les anglophones ont de tout temps été marginalisés depuis le renouveau? J'ai dit qu'en 61, oui, on avait une constitution où quand il y avait un président anglophone, il y aurait un président francophone. Votre père, attends, quand il a été vice-président, justement, c'était encore sous le régime fédéral. Justement, voilà. Donc c'est cela. Mais si on se retrouve aujourd'hui, vous avez le président de la République francophone, le président du Sénat francophone, le président de l'Assemblée francophone, le président du Conseil économique et social francophone, puis la cinquième personnalité anglophone, qui est donc le Premier ministre, je me dis quand même, il y a quelque chose qui n'est pas bien correct. Vous avez trois ministres en charge de l'éducation. Ça veut dire quoi?
éducation de base, éducation secondaire, enseignement supérieur. Ouais. Tous les trois sont francophones. Je pense que on commence à se poser des questions. Il y a, mais pourquoi poser le problème sous ce clivage-là, francophone-anglophone, finalement? Je vais vous donner un exemple. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, finalement. Vous êtes plutôt des deux côtés. Ouais, je suis flatté par le fait que vous pensez que mon bilinguisme qualifie d'être d'un côté, pas de l'autre. Mais je pense qu'il faudrait regarder le problème anglophone et francophone dans un contexte politique. Cette connotation est devenue une connotation politique. Politique. Et donc vous mettez la carrière aujourd'hui, vous vous sentez anglophone. Qui tendait plus à être même ethnique. Est-ce que je me sens plus anglophone? Moi, dans le contexte camerounais, je suis anglophone. Je suis originaire d'une région anglophone. Et vous l'assumez très bien. Je l'assume sans problème. Mais pour revenir à votre question de savoir est-ce que... Donc, je voulais dire que c'est normal que l'anglophone se dise, mais après 57 temps d'indépendance, est-ce qu'il y aura un jour un anglophone? Est-ce que le fait que Frundi n'a pas réussi, ce serait parce qu'il est anglophone? Donc c'est une question qui peut être posée. Mais ce n'est pas là-dessus que je me... Que les résultats nouvellement reçus avaient été mis dans le tiroir où il y avait les anciens résultats, et en retirant les feuilles pour donner pour la publication, ils se sont trompés de feuilles. Bon, quand vous entendez ça, que les gens sortent des résultats avec une certaine légèreté, et mettez ça à côté de l'efficacité de la machine, qui garde des résultats 5 ans après dans le même tiroir, pour y ajouter ceux qui sont sortis la veille, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ces résultats-là, à mon avis, n'étaient pas fiables. Et je vous mets au défi de vous montrer le pays africain où le président sortant a gagné par 2 points ou 1,5 point. Donc, je pense que, bon, c'était un phénomène nouvel. Et ça a donné ce que ça a donné. Ça m'ouvre la brèche pour vous raconter l'anecdote parce que, pour vous montrer que j'ai milité bien au sein du SDF. Hein. J'étais en week-end, mon père était déjà à la retraite, au domicile. Il me dit, mais mon fils, il m'appelait Tabeng quand il voulait. Il dit, mais Tabeng, votre parti là, ça carburait, ça trompe du monde, les gens viennent. Il me dit, si vous gagnez les élections, comment est-ce que vous prenez le pouvoir? Il me pose la question. Je dis, mais papa, je ne comprends pas. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Il dit, non. Si vous gagnez l'élection, comment est-ce que vous prenez le pouvoir? Il me dit, c'est tard, 22h, 23h, va te coucher, le matin on reprend les débats. Le matin donc, mais avant ça, j'ai pris ma voiture de Bengui, sur la mauvaise route, tadada la nuit, vers minuit, arrivé à Bamenda, allé au fief où il y avait tout le monde, les Fouaka et les autres, le SDF, j'ai dit, écoute, on m'a posé une question, je n'ai pas la réponse, c'est laquelle? J'ai dit, mon père va me demander que si on gagne l'élection, comment est-ce qu'on prend le pouvoir? Il me dit, oh, c'est un vieux, il ne comprend pas, c'est clair, quand on gagne, on gagne. Je dis, bon, mais c'est la réponse que j'avais déjà donnée à mon père. Sauf la partie où on disait qu'il est vieux, évidemment. Et je me suis tué, et je suis rentré au village. Le matin, 9h, mon père est déjà pour le petit déjeuner, il m'appelait, mais où tu es? Je vais m'asseoir, il dit, bon, réponse à ma question. Je lui dis, vraiment, je ne comprends pas. Si on a gagné, on a gagné. Non. Je pose ça avec un but précis. Vous ne pouvez pas prétendre prendre le pouvoir en ayant un langage contre les institutions de pouvoir. Vous ne pouvez pas vous attaquer aux gendarmes, aux policiers, aux préfets dans votre langage de campagne, même aux Français qui sont le garant de notre propre monnaie. Demander le boycott des produits français, menacer les gens qui travaillent avec le gouvernement, les mêmes gens avec qui vous êtes appelés à travailler demain. Quand j'ai vu l'élection, les dernières élections en France, j'ai entendu la présidente du Front National menacer les fonctionnaires qui vont voir, c'est ce qu'ils vont voir dans le cas où ils ne suivraient pas. C'était un peu cette ambiance-là de menace. Mon père dit que si vous faites ça,
les gens qui doivent surveiller, vous aider et vous accompagner vont vous lâcher. Puisque vous commencez déjà par les menacer. Donc, pour dire que dans le contexte de l'époque, il était bien difficile, malgré ses résultats, pour un parti d'opposition, d'arriver aux affaires. En se positionnant comme contre les institutions de la République, il fallait absolument confondre les institutions, leur dire que on pouvait promettre un avenir meilleur, et surtout venant du fait que on avait un candidat atypique, un libraire, unilingue, pas connu, qui a été projeté sur la scène politique par son courage. Très bien. Fermons la page du SDVF. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ce sera encore plus difficile en 2018 pour quelqu'un qui serait issu des milieux différents du pouvoir d'accéder à celui-ci. Soit. Mais l'évocation du nom de votre père nous amène à précisément vous demander si, pour vous, Akere Mounas, c'est un atout ou alors un handicap de porter ce nom-là dans la posture qui est la vôtre aujourd'hui. Je te dis souvent, hein. Il y en a qui ont eu la chance de choisir la famille dans laquelle ils sont nés. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Je suis né le septième fils de Mouna et je le demeure, je n'y peux rien. Mais pour la culture que j'ai, pour l'éducation que j'ai eue, je ne peux que remercier Dieu pour m'avoir donné les parents que j'ai eus. Ce côté-là, vraiment, pour moi, pour ma formation, c'est un atout extraordinaire. Bon. Mon père avait ses options. Si on veut me juger aujourd'hui, à l'âge que j'ai, par les options de mon père, je n'y peux rien. Mais je pense que je connais les Camerounais, ils sont plus astucieux que cela. Ils peuvent juger les autres Camerounais en fonction de leurs capacités, en fonction de ce qu'ils procèdent, ce qu'ils possèdent et ce qu'ils proposent. Personne n'a jamais jugé le président Biya à base de sa famille ou du fait qu'il a été un collaborateur pendant plus de 25 ans du président Aïdjo. On le juge à partir des actes qu'il a posés. Quand il a l'adhésion de tous les Camerounais en 85 ou en 84, après le tentative de coup d'État, c'est à base des idées qu'il a émises et de l'espoir qu'il pouvait... faire naître dans le corps des Camerounais. Donc je pense que je ne suis pas du tout troublé par cela. En ce qui concerne ma formation personnelle, je pense que c'était un atout. Très bien. Avant d'évoquer vos propositions, aujourd'hui, l'alternative que vous suggérez aux Camerounais, quel est le reproche principal, Maître Akere Mounas, que vous pourriez être amené à faire au président Biya, que vous avez d'ailleurs plutôt très bien côtoyé et bien connu, si on vous demandait finalement de nous dire la chose essentielle qui fait que, pour vous, il ne soit plus aujourd'hui l'homme de la situation? Bon, écoute, je suis quelqu'un d'emblée qui pense que les mandats doivent être limités. Et je pense qu'au-delà de cet nombre de mandats, ce qu'on peut proposer devient de plus en plus difficile à accomplir. Secondement, se dire critique direct du président Biya, il a son style, qui participe beaucoup de la délégation. Donc, mais les bénéficiaires de cette délégation ont fait tout et n'importe quoi. Et le pays se trouve aujourd'hui à genoux. Donc, s'il y a une reproche, c'est cela, de laisser beaucoup de choses au temps. Bien sûr, des fois, il finit par servir. Pas sévir, mais je pense que c'est cela. Vous voulez le disculper de la responsabilité première en tant que chef de l'État, puisque vous parlez de ce que peuvent avoir fait ses collaborateurs aujourd'hui? Je ne suis pas en train ni de l'inculper ni de le disculper. Je pense qu'il faudrait qu'on soit clair. Oui, essayons de juger l'homme d'État. Paul Biya, quelle est la perception que vous avez de l'homme d'État qu'il a été? Il faut qu'on soit clair. Il avait ses options pour ce qu'il a fait. Moi, je suis proposant, je ne suis pas opposant. Il faut qu'il soit clair. Je pense que mon style sera un style différent. Un style
qui vous amène à être très proche du peuple. D'ailleurs, j'aime citer Mme Banda, l'ancienne présidente de Malawi, qui a dit que pour être président, il faut être amoureux. Amoureux, c'est une histoire d'amoureux, d'amour entre le peuple et son président. Donc je pense que il faut cette proximité du peuple qui vous permet de les entendre clairement. Et je pense aussi que il y a des secteurs qui devaient être au cœur des soucis d'un pays comme le nôtre, qui ont été plus ou moins négligés. Peut-être on en parlera quand vous allez parler de mon programme, comme je l'ai parlé. Donc, mais je pense que le système de délégation que le président a instauré a permis aux uns aux autres de faire du n'importe quoi. Et dans un système politique, le responsable, c'est le dirigeant. Donc, voilà. On a quand même passé une belle trentaine d'années sous la houlette du chef de l'État camerounais. Je voudrais vraiment insister là-dessus sur le jugement qu'on peut avoir de ces derniers en tant que président de la République du Cameroun pendant toutes ces années. Autrement dit, est-ce que le choix de M. Ahidjo porté sur le personnage Paul Biya aura été bien ou mal pour le Cameroun? Mais écoute, parce que c'est bien le président Ahidjo qui a jeté son dévolu. Et le président Ahidjo lui-même a donné son jugement sur le successeur qu'il a choisi. Il a dit qu'il était fourbe, il a dit qu'il était hypocrite. C'est le président Ahidjo qui parle, moi je le cite. Donc ça, c'est une appréciation de son choix. Mais quand le président Biya prête serment, il place son premier mandat, ou bien sa présidence, sous le principe de moralisation. Mais je pense, à mon avis, qu'après le tentative de coup d'État de 1984, quelque chose a changé. Et ceux qui sont autour de lui ont confondu la survie de la République avec la survie du président de la République. À partir de ce moment, je pense que les jeux étaient tronqués et on commence à regarder plus vers le président que plus vers le peuple. Donc, les textes qu'on fait, on renforce le pouvoir des gens qui ne sont pas votés, on renforce le pouvoir de l'administration centrale, on écarte les autres personnes de la gestion de la politique. N'eût été la venue du FMI où on a dit que non, c'est le multipartisme advienne et qui a commencé dans le Cameroun anglophone, le Nord-Ouest, pour être précis, était à l'époque de Bachelet Nyondo Black. Donc, les avocats sont la voix des sans-voix et sont des gens qui sont des déclencheurs d'alerte dans la société, par leur profession, et les journalistes d'ailleurs, je dois dire, ils fonctionnent tellement proches des citoyens qu'ils ont l'avantage de voir ce qui ne va pas et de pouvoir dire ce qu'il faut faire. Et donc, je pense que le mot pyromane, je dirais même plutôt pompier. Parce que si on avait entendu ces avocats et ces professeurs, on aurait beaucoup épargné. Au contraire, on a organisé un dialogue en trompe-l'œil pour ensuite les arrêter. Je ne sais pas si on ne peut pas même dire que ce dialogue permettait d'identifier ce qu'il fallait arrêter, puisqu'après on les a tout pris. Donc, le rôle des avocats était déterminant, c'était clair, c'était structuré, mais hélas, on ne les a pas entendus et les choses se sont empirées. Et j'ai même écrit un article dans lequel je disais très bien que si on n'entendait pas maintenant, cette tempête allait se transformer en tornade, quelque chose comme ça, j'avais dit. Voilà, on va rester quelques petites minutes encore sur le sujet pour aller réexaminer les solutions qui sont envisagées et expérimentées jusqu'ici par les représentants du gouvernement. Est-ce que vous comprenez, Maître Mouna, qu'ils en soient obligés de faire usage de la force légitime
à travers les forces de l'ordre qui sont sur le terrain aujourd'hui, vu qu'il faut bien que force revienne à la loi. Malgré quelques dégâts qu'on peut enregistrer sur le terrain, vous devriez pouvoir admettre que l'État a besoin de rester fort, malgré tout, en toutes circonstances. Ouais, écoute, moi je pense que ceux qui trouvent la nécessité de montrer qu'ils sont forts, c'est souvent les faibles. Parce que si vous êtes convaincu de vos actes et que vous êtes fort, vous n'avez pas besoin de le démontrer. Moi, je pense que c'est bien de regarder, c'est très facile de regarder l'instant où les choses se passent. Mais si un État provoque des citoyens, quand ils sont vraiment, quand ils sont en mal dans leur peau, et ces citoyens réagissent, et vous venez maintenant vous montrer que c'est vous qui avez la force, je regrette, c'est une force mal utilisée. Et c'est pour ça que je dis que, d'ailleurs, l'International Crisis Group a sorti son rapport il y a 2 jours, dit clairement, et toutes les organisations internationales sont catégorisées. Il y a un risque d'insurrection. Oui, non seulement ça, mais ils disent aussi qu'il y a un usage disproportionnel de la force. Parce que quand vous traitez avec des gens qui n'ont pour seule arme que des branches de plantes, et vous faites usage des armes, pas de balles blanches, mais des balles réelles, je pense qu'il faut quand même se poser la question. Je pense qu'il y avait plusieurs façons de traiter ce truc, cette crise, ces malheureux incidents. C'est en écoutant, en dialoguant. On n'en serait pas arrivé là. Voilà, mais sauf que tout le monde parle de dialogue, mais sans en définir les modalités. On va peut-être revenir, revenons sur le cas de ces personnes qui sont toujours détenues. Quelle est, de votre point de vue, la meilleure manière de les faire sortir de prison? Ou alors vous comprenez que, par ailleurs, tout le monde n'a pas pu bénéficier de cette vague de libération autour des personnes arrêtées à la base? Mais écoutez, quand j'avais fait une requête au chef de l'État proposant la libération de tout le monde, je le faisais sur une base légale. Parce que je sais qu'il y a eu des débordements. Je sais que il y a eu la provocation. Je sais que il y a des Camerounais qui ont exprimé, n'est-ce pas, leur colère. Et je me suis dit, pour un nouveau départ, il faut vraiment repartir à zéro. Il faut que tout le monde soit libéré. Second plan, c'était sur le plan juridique. Les avocats qui étaient à l'audience, les premières audiences, ont demandé que l'affaire commence. Le commissaire du gouvernement a demandé la jonction de, je crois, 27 procédures. Donc, il a demandé que toutes les procédures soient jointes. Donc, toutes les 27 personnes étaient poursuivies sur un acte, même acte d'accusation et une jonction. Le président, dans sa sagesse, décide d'utiliser le texte en ordonnant la libération de ceux qui sont incarcérés, en demandant l'arrêt des poursuites. Tout au moins, légalement parlant, on devait s'attendre à ce que les 27, tous les 27 qui sont sur le même acte d'accusation, soit libérés en même temps. Puisque c'est l'arrêt de poursuite. C'est eux qui ont voulu la jonction. Ils n'ont pas disjoint. Ils sont allés directement vers la libération de certains, mais pas d'autres. Ça, c'est pas juridique. C'est l'exercice d'une discrétion que je n'arrive pas encore à m'expliquer, mais je pense que sur le plan juridique, on ne peut ordonner l'arrêt des personnes qui sont poursuivies dans le même acte et qu'il y ait d'autres qui sont sortis, d'autres qui sont dedans. Troisièmement, sur le plan purement politique, je pense que si le président tente d'apaiser les choses en ordonnant l'arrêt de poursuite, qu'on laisse certains et qu'on garde d'autres, mais vraiment néant la volonté du président. Parce que ceux qui sortent se sentent toujours solidaires de ceux qui sont restés, voire même coupables, qui partent en laissant leurs frères. Donc je pense que c'est une chose qui a été très, très mal gérée. Voilà. Pour sortir donc de cette
évocation. Pensez-vous aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de International Crisis Group, vous avez été le premier également, Maître Mouna, à saisir l'Organisation des Nations Unies. Ainsi que j'avais saisi aussi l'International Crisis. Tout à fait, voilà. Mais sur cette saisine, à l'époque d'ailleurs, vous avez fait l'objet de beaucoup de critiques en rapport avec le terme génocide qui guetterait le Cameroun. Aujourd'hui, donc, vous êtes l'un des artisans qui voudrait, c'est une interprétation, faire intervenir la communauté internationale. Soit, ça voudrait donc dire que désormais, pour qu'on sorte de la crise anglophone, il va peut-être falloir que l'Union africaine, les Nations unies et Amnesty International, peut-être Transparency également, puissent nous aider à sortir de là, vu que nous-mêmes, Camerounais, on n'est pas en mesure de le faire. Vous voyez, je suis content que vous reveniez sur ce courrier que j'ai adressé, qui a fait l'objet de toute son interprétation. Les personnes qui n'ont pas l'avantage de comprendre l'anglais, ils auraient pu simplement se refaire un dictionnaire ou bien un traducteur. Chacun a regardé et a interprété à sa manière. J'ai dit qu'il y a des éléments dans le comportement qu'on voit qui peuvent mener au génocide. Je ne suis pas arrêté là. J'ai donné des exemples concrets, me basant sur un exemple concret, en l'occurrence le Rwanda. J'ai dit que si quelqu'un dit sur les antennes qu'il y a des rats qu'il faut exterminer, parlant des êtres humains, ça me renvoie au Rwanda. Si quelqu'un dit que les citoyens sont des chiens, que s'ils sortent dans la rue, ils vont en voir ce qu'ils vont voir, ça me renvoie au Rwanda. Si un ministre du gouvernement appelle des citoyens terroristes, ça me renvoie au Rwanda. Si encore, sur les plateaux d'une télévision, quelqu'un se permet de dire qu'il faut qu'on renforce les troupes à Bamenda, dans le Nord-Ouest, il faut qu'on visse, qu'on fasse des calés-calés, qu'on les malmène, et non seulement que même à Yaoundé, où il y a des quartiers, où il y a des anglophones, il faut qu'on aille voir, parce qu'ils jubilent quand ça se passe au Nord-Ouest, je pense qu'il y a problème. On est en train de faire exactement ce qui se passe dans un pays, dans une période avant génocide. Ça veut dire quoi? On délimite un groupe, on leur donne des noms, on les traite d'une menace pour le reste, et puis on les mate. C'est ce qui se passe. Alors, j'ai dit, faisons attention. C'est Kofi Annan qui le disait lui-même. Le génocide commence par une personne tuée. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse attention. Je pense que j'ai déclenché l'alerte, et c'est ce que j'ai fait. Et je le referai. Et je ne pense pas que j'ai mal fait. Vu la tournure des choses sur le terrain, vous pensez que vous êtes toujours dans cette même logique? Vous ne vous êtes pas trompé peut-être? D'ailleurs, sur le nombre de victimes... Je pense que c'est une bonne chose, parce que je suis content de l'honnêteté de ces Camerounais-là, parce qu'ils ont demandé pardon, ils ont rétracté ce qu'ils ont dit. Il n'y a que le membre du gouvernement qui persiste, c'est-à-dire que, bon, il est en route des terroristes. D'ailleurs, moi avec, vous savez très bien, j'ai été interpellé à la gendarmerie, moi aussi... accusés de terrorisme, de toutes sortes de choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis content que je l'ai fait. Les gens sont plus conscients, le débat est vif, les gens voient le danger, et vos collègues ont retiré ce qu'ils ont dit. Je pense que c'est très brave et honnête de leur part. Donc, je pense que c'était bien de sonner l'alarme, qu'il faudrait qu'on fasse attention. Donc... Mais sauf que ça ne suffit pas jusqu'aujourd'hui. Maître Akere Mouna, comment on en sort finalement? Est-ce que on peut envisager l'envoi de casques bleus par exemple? C'était ça le sens de la question. Ouais, je pense le dialogue qui a été envisagé. Nous avons un problème durement camerounais. Oui. Le seul problème que nous avons, c'est quoi? C'est le fait que il n'y a plus de confiance, pas seulement entre les anglophones, mais confiance entre le peuple et le gouvernement. Il n'y en a plus, absolument plus. Faute à qui? Je dirais par ceux qui gèrent la cité. Dites-vous bien, dans les années 90, début 90, le débat sur la forme de l'État était vif. Suivant les élections de 92, où certains anglophones...